Voilà. Bonjour YouTube, petite fin de stream sur Kaisar 3, on était sur Pharaon juste avant, on a commencé la construction d'un immense complexe de pyramides, un ensemble de pyramides officiellement pour le jeu, et on va ralentir un petit peu la vitesse ici, enfin on va baisser la vitesse pardon. La vitesse, c'est des misclics hein, bien sûr, la vite. Oh là là, il s'est plus cliqué le pauvre. Alors, voilà le topo. Alors si vous connaissez, enfin si vous avez vu le stream, enfin les streams de Lumi, vous savez qu'elle a streamé beaucoup de Kaisar 3 et qu'il y a un petit blocage. Honnêtement pour moi aussi. Donc ça c'est l'une des cartes les plus compliquées. Voilà le topo. Alors déjà les objectifs. Population 5000, c'est assez ambitieux. Mais il y a un autre défi derrière, c'est... Bon, la culture. La culture, c'est un peu pénible, mais ça se fait quand même. On peut spammer les théâtres, les écoles, les universités. On peut faire des trucs exprès comme ça. La vraie complexité, bon, il y a la paix, bien sûr, parce qu'il y a des Gaulois qui sont déjà là, parce qu'on est dans les Alpes, il me semble. Bah, on est... attendez. Non, on est au-delà des Alpes, c'est ça le truc. On est au-delà des Alpes. Oui, Lugdunum, c'est Lyon, en plus. Donc on n'est plus en Italie, on est passé de l'autre côté des Alpes, on est chez les Gaulois. Et bien sûr, ah, pourquoi ma faveur baisse? Oui, c'est un truc que j'ai remarqué, ça. Lumi, tu me confirmes, la faveur baisse naturellement, c'est ça? Parce que là, au niveau des dernières requêtes, j'ai tout satisfait. Hein. Il n'y a pas de problème. Ouais, ok. On peut faire des cadeaux, mais vu qu'on a un bon salaire, voilà. Alors, le truc, c'est que c'est un peu vache parce que le cadeau modeste, généreux, somptueux... Le prix qu'il te coûte est basé sur tes économies. Je pense que c'est un certain pourcentage de tes économies qui font que le prix des cadeaux change. Le truc, c'est que, quel que soit le prix, un cadeau somptueux augmentera toujours, enfin je crois, hein, c'est l'impression que j'en ai en tout cas. Peu importe la valeur du cadeau, du moment qu'il est somptueux, la valeur de faveur augmentera de la même valeur. Oui, c'est correct, mais c'est compliqué. Waouh! Parce que moi, vous savez... J'ai un petit peu marre de faire des... Ouais, c'est basé sur ton porte-monnaie. Donc, il faut faire plein de petits cadeaux, finalement. Donc là, c'est 25. Là, c'est 26. Ah non, c'est toujours 26, là, attendez. Ah ouais! Bah... Je lui envoie des cadeaux, il s'en fout. Ok, génial. Bon alors. Donc le topo. Pourquoi Lugdunum, c'est une carte horrible? Il y a plusieurs éléments. La route qui mène... Donc la route par laquelle arrivent les gens. Donc les habitants et les immigrants et les marchands. C'est celle-ci. Ils repartent par là. Donc en fait, la route du royaume... Enfin, pas du royaume, c'est dans Pharaon ça. Ah oui mince, c'est Discord, pardon. Oui, ce sera plus sympa, Discord, effectivement. J'ouvre ça tout de suite. J'ai oublié, t'as eu raison de me le rappeler. Ah, comme ça, on pourrait échanger, c'est cool. C'est cool. Au secours, le mec oublie tout. Checking for updates. On va pas faire ça très longtemps, hein. Je vais juste faire un topo rapidement, parce que j'ai plus des pistes à donner pour finir la carte, pas tellement des solutions. Je pense que pour l'expérience, je la recommencerai un peu plus tard. De mon côté, bien sûr. Hein, je fais la campagne de mon côté. Voilà. T'as tout réglé sur Discord. J'arrive. Est-ce que je peux t'appeler là? C'est bon? Il faut que je change le titre du stream. Mince. Attendez. Enfin, ça. Quand j'aurai lancé l'appel. Écoute, je lance l'appel. Oui, c'est bon. Hello. Hey. Je crois que ton son est nickel, c'est trop beau. Ah ouais, tant mieux. Ouais, c'est nickel. Quel expert je fais. Oh là là. Bon, par contre, je vais enlever mes écouteurs qui me relient à mon autre PC pour suivre ton stream, parce que du coup, je m'entends avec un délai de ouf. Ouais. Donc, ok.
Alors juste, ouais, faut que j'ai pas l'habitude de faire deux jeux dans un même stream, donc voilà. Ouais, c'est sûr, c'est un peu perturbant, je te l'accorde. Bon, du coup, j'ai pas mal enquêté sur cette histoire de Lugdunum. J'avoue que au début, je me suis dit, ouais, ça va le faire. Et très vite, je me suis dit, ah oui, quand même. Alors déjà, en fait, bah finalement, les 5000 habitants, c'est pas si simple que ça. Non, Parce qu'il faut oui. la place pour les mettre. Et surtout, si tu veux les nourrir, c'est compliqué. Alors, il y a quelques zones déjà qu'on peut voir. J'ai envie de les virer. Oui, déjà. Alors ça, là tu vois un peu plus bas, là, t'as la zone du Sénat. Ouais. Et la zone qui est en bas, c'est une zone express en nourriture avec que des pauvres, que de la main-d'œuvre, quoi. Ça c'est fait exprès. Et c'est la zone où j'ai D'accord, collé ok. quelques oracles. Alors tiens, oracle, je sais pas si tu utilises ça. C'est Si, vachement si, un utile. petit peu, ouais. Ça t'évite de faire 15 000 temples. Là tu divises le nombre de bâtiments religieux par 5 en faisant C'est ça parce ça, que c'est ouais. pour tous les dieux. Le seul truc, c'est que ça garantit pas l'accès à un culte. Donc en fait. Ouais, alors ça, ouais, c'est un point que j'ai trouvé un peu débile parce que pour moi, ça tombait sous le sens que les oracles, bah, t'es quand même. Enfin, de quoi prier, quoi. Mais le fait que tu doives mettre à la fois des oracles juste pour augmenter la prospérité de ton quartier, mais mettre quand même un temple à côté, je me suis dit, c'est un peu idiot, quoi, parce Bon, j'ai un peu que. menti, ton son était pas si bien réglé que ça. Ah mince! Enfin, de mon côté, je veux dire, de mon côté, bien sûr, ne. Ah, C'est d'accord, pas un ok. reproche. Parce que je ne voudrais pas non plus vriller les oreilles des gens, quoi. Non, ça C'est va, pas mon but, je pense quoi. que c'est ok. Ok. Alors, donc là, D'accord. voilà, on va faire le rappel de pourquoi c'est galère. Bah Ouais, déjà, enfin, il y a déjà un élément, je dirais, après, qui va pas chez moi. y a énormément de relief déjà. En fait, rien que sur la mini-carte, on voit qu'il y a beaucoup de relief, donc ça, c'est des trucs qu'on peut pas construire. Si tu veux, alors en fait, t'as une grande partie de la carte, là, tout ce qui est vraiment dans la partie nord, là. Parce que là, ça, c'est des hauteurs. Première chose en vérité, c'est que les zones cultivables se trouvent principalement ici, Ouais, dans et cette de l'autre zone-là, côté des lignes ennemies, du coup. en hauteur. Et en fait, quand tu accèdes à la carte, bah, tu peux pas accéder tout de suite à cette zone-là, qui est très grande, qui peut produire beaucoup de nourriture, mais c'est pas gênant quand même. Parce que pour le début, on a effectivement quelques zones cultivables ici. Enfin, on a une Oui, grande zone oui, oui. ici. Alors, je sais pas si j'ai bien optimisé la place. Je pense que j'aurais peut-être pu faire plus de fermes que ça. Mais le truc, c'est que Alors moi. regarde, il y a un petit rocher. Ah non, ça passe là, tiens. Non, en fait, Ah, oui, mais voilà, je c'est crois ça le qu'en fait. truc. Non, mais je crois qu'en fait, c'est la limite. Je colle une ferme là, je peux en faire que 3. Je crois qu'après, il n'y a que 2 cases pour faire une ferme. Il faut que les 3 soient cultivables. Ouais, alors tu vois, enfin, de ce que je vois, hein, t'as mieux optimisé la place que ce que moi j'ai fait, parce qu'en même temps aussi, t'as l'optimisation de la place de Pharaon, ce que moi je n'ai pas, techniquement. Hein. Des fermes dans cette zone-là, j'arrive à en faire 9 à chaque fois. C'est pourquoi, en fait, tes tours, et là, c'est là aussi que le bât blesse, c'est que je n'utilise pas les tours, en fait. Donc ça, c'est aussi un gros point négatif, parce que je ne sais jamais où les mettre, en Je l'ai fait. utilisé très tard et il m'a posé pas mal de problèmes. Alors toi, Ouais. tu fais 9 fermes ici, c'est ça? J'arrive, voilà, parce que la tour, en fait, je l'aurais mise un peu plus haut et Oui, bien sûr. comment dire, ton bâtiment des ingénieurs, je ne l'aurais pas mis là, en fait. Ouais. Après, c'est pas évident non plus à Alors c'est placer, parce que quoi, parce que j'ai. selon les pixels, Ouais, voilà. en fait, je pense d'ailleurs qu'au niveau des fermes, j'aurais pu les décaler un peu. Je regarde un truc. Mais moi, je colle, en fait, moi, j'ai un chemin qui longe la flotte et J'aurais je pu vois, en les fait, décaler selon la d'une limite de case. disponible. Ah non, ouais, d'accord. Ouais, là, tu vois, il y a. Là Moi, je. on Voilà, peut je. pas. Et là, Voilà. il y a des cases où on peut. Là, il y a des cases où on peut, effectivement. Et c'est comme ça que moi, je vois la chose à chaque fois pour placer mes fermes. C'est que je regarde vraiment quelle est la limite de possibilité de mettre les fermes dans cette zone-là. Donc déjà, en fait, pour le début de mission, on n'a pas tellement le choix. Il faut faire des fermes là, parce que de toute façon, il faut construire Ouais, des c'est. missions pour apaiser les Gaulois. Ça se fait assez vite, d'ailleurs. Ça se Oui, fait très très c'est assez vite. facile. Les corps de garde, je les ai utilisés très tard finalement parce que j'ai fait un petit peu comme je fais dans Pharaon parce que Pharaon ça fonctionne très très bien comme ça. Tu peux faire des zones déconnectées et tu peux demander aux entrepôts d'aller chercher les ressources dont tu as besoin. Par exemple là, Ouais. ah non là le grenier maintenant est relié aux autres greniers donc finalement voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Je crois que ces entrepôts je les utilise plus Port de crime à signaler tellement. dans ce quartier. Oh, attendez. Ah oui, donc là c'est pas comme dans Pharaon, la nourriture va d'abord au grenier. Oui, c'est ça. Et après, si le grenier est trop rempli, ça se transfère directement aux entrepôts. C'est bizarre qu'ils aillent au grenier parce qu'il n'y a plus de place. Plus de place là, pourquoi ils essaient d'aller.
Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui a acheté du blé, puis quelqu'un qui en a remis derrière. En fait, ces entrepôts-là, ils vont pas servir à grand-chose, mais ils sont là en cas de besoin, en fait. Si jamais il n'y a plus, vraiment plus de place, en fait, je pense que ça arrivera jamais, ils ne serviront jamais. Parce que vu que tous les greniers sont reliés maintenant... En fait, là, franchement, optimise les... Alors, peut-être garde-en un pour tout ce qui est accès à l'huile et aux poteries, pour tes habitants quand même dans le coin, qu'ils aient accès à quelques richesses, quoi. Mais au moins un, je pense. Alors, il y a une deuxième difficulté aussi. Enfin, la première difficulté, c'est que faut aller chercher la nourriture là. En fait, c'est un gros problème avec plusieurs petits problèmes. La nourriture est à chercher là, mais il faut... En fait, c'est tout pose problème en même temps, parce que t'as pas que les indigènes, comme ils les appellent, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Il n'y a pas que les indigènes à apaiser, ce qui est très facile. Il y a aussi les loups à gérer. Oui. Alors, j'étais à peu près roleplay. Je les ai pas... j'ai fait des petites réserves, en fait. Je me suis dit, quand on construit une ville, on veut quand même la protéger des animaux sauvages. Donc, c'est logique de construire des murs. Donc, j'ai fait vraiment des murs. Ouais. Après, il y a une petite astuce. Je crois que les murs, ça coûte assez cher, quand même. Murs. Ah non, ça coûte... Attends, quoi ? Ça coûte autant qu'une petite statue ? Ah bah oui, tu vois, moi je croyais... Dans ma tête, c'était un peu plus, voire 50 ou un truc du genre. Ah, c'est marrant, ça. Donc voilà, je me suis dit, j'ai les loups, je vais mettre des murs pour pas qu'ils entrent dans la cité. J'ai fait ça très très tôt, donc j'ai attendu qu'ils se déplacent à un endroit qui m'arrangeait. J'ai fait pareil ici, parce qu'il y a deux points finalement où les loups se déplacent. Donc j'étais sympa, j'aurais laissé un grand espace. En vérité, j'en ai pas... Peut-être que si, en fait, j'en ai peu. Par contre, tes marchands, ton entrepôt principal, il est où ? J'en ai pas un en particulier, pour être sincère. Parce qu'en fait, même quand tu dis, tel entrepôt est le centre de commerce, s'il accepte pas, une marchandise qui est vendue par le marchand, le marchand aura quand même un autre entrepôt pour la vendre. Un autre qui l'accepte. Après, j'imagine que définir le centre de commerce, ça donne la priorité sur un entrepôt, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais justement, moi, c'est la question que je me posais, parce que c'est vrai, moi, j'avais vu un gars qui avait optimisé l'espace en mettant, en fait, un petit village dès l'entrée de la map, là, sur la route d'où les commerçants viennent. Oui. C'est vrai que tu peux, pour le commerce, par exemple, parce que tu peux vendre, je crois que ce sont des armes que tu vends dès le début. Alors, c'est ça qui est le plus rentable, c'est les armes, puis le marbre aussi qui arrive plus tard, quand il y a la deuxième route qui s'ouvre. Oui. Mais en vrai, le faire tout. J'y ai repensé il y a quelques jours, et je me suis dit, faire ça tout à l'entrée de la map, c'est pas forcément très bien, parce que t'as pas beaucoup de place non plus pour que la main-d'œuvre ait accès aux ateliers, aux carrières, etc. C'est super mal foutu. Alors, il y a quand même un truc, il faut savoir, ça marche également dans Pharaon. En fait, je t'avais dit une bêtise une fois quand je t'avais vu streamer. Ah. En gros, pour avoir assez de main-d'œuvre. Tu vois que t'as pas besoin de beaucoup de maisons, regarde, là j'ai une zone avec beaucoup d'industrie. Oui. Et j'ai que 4 maisons. Mais en général, ça suffit. Oui. En gros, quand ils ont accès à des habitations, donc ils ont accès à des travailleurs, ils ont accès à tous les travailleurs de la cité finalement. Ouais. Donc c'est pour ça, dans le remake de Pharaon par exemple, ils vont enlever ça, c'est-à-dire que t'auras plus besoin de mettre des maisons. Enfin, t'auras une option, tu pourras activer ou désactiver le truc. T'auras la possibilité de dire, ok, je veux que les bâtiments n'aient pas besoin d'accéder à des maisons, je veux qu'ils puissent automatiquement, finalement, accéder à tous les employés, sans avoir accès à des maisons. Ouais, c'est bien. Il n'y aura même pas besoin d'avoir de la main-d'œuvre à proximité. Donc finalement, quand tu veux faire des industries, tu fais simplement 4 maisons, tu en mets un petit dispensaire pour qu'ils ne tombent pas malades. Ouais. Bon, tu en mets un puits éventuellement pour qu'ils boivent. C'est pas important. Bah quand même, oui. Ils mangeront pas. Attends. Ils ne mangeront pas. Et puis voilà, après, t'as d'autres bars. Ils accèdent à tous les employés de la carte. Donc début de partie, effectivement, c'est pas si idiot que ça de faire quelques maisons là et de balancer l'industrie pour faire des armes. Parce qu'au début, on peut prendre que ça. Ouais. Donc c'est pas bête. Sachant qu'effectivement, le marbre aussi, c'est la deuxième ressource qu'on vend. Donc c'est pas idiot de mettre ça très proche de la route. Comme ça, les marchands, ils arrivent et ils repartent très vite. Donc ça peut garantir, parce qu'en fait, le temps qu'ils fassent toute leur route, je crois qu'il n'y a que 3 caravanes qui peuvent apparaître sur la carte à la fois. Oui, tout à fait. Et ce qui est aussi pénible, enfin moi, ce qui m'a aussi bloqué, c'est que des fois, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi certaines caravanes ne m'achetaient rien, alors que, tu sais, ils ont un quota quand tu vas sur la map de l'Empire. Le quota était à 0,
Et je pense que c'est peut-être un bug du jeu, mais en vrai, il y avait des caravanes qui ne s'arrêtaient plus du tout chez moi, alors que j'avais des ressources de présentes dans mes entrepôts. Ça, par contre, je sais pas, ça doit être un bug, ouais. Mais je sais ouais, pas. Ouais, je pense que c'est un bug, ouais, mais le truc que t'as eu avec César tout à l'heure, dans un sens, ça ne m'étonne pas, parce que des fois, ça arrive. Tu peux limite lui serrer les sandales, il s'en fout. César, dans cette map, c'est un gamin pourri gâté, quoi. Alors, après, le truc que j'ai, c'est des fois de bourrer, quand j'ai beaucoup de ressources, c'est de vraiment bourrer le cadeau le plus cher, en tout premier. Et après, je vois les modestes et les somptueux, en fait. Ça bouge pas. Mais ça... Non, mais là... Ouais, non, là, je sais pas. Là, j'avoue que je... Ça... Attends, c'est... Tu vois, dans un sens, pourquoi ça m'étonne, mais ça ne m'étonne pas, quoi. C'est... Pourquoi il est en colère? Parce que je suis en retard sur mes objectifs? Je sais pas. Bah, peut-être la prospérité, je sais pas. Non, pourtant, t'as rien fait qui ne le froisse, en fait. Ou alors, c'est par année, peut-être. Ça se trouve, tu peux pas spammer tout le temps. Faut attendre un petit peu. Quand ça augmente plus, faut que t'attendes pour le prochain cadeau. J'avoue, ouais, que des fois, j'attends quelques mois avant de lui refaire un cadeau, donc... Effectivement. Par contre, je sais pas comment t'as réussi à avoir la cité que t'as là, mais le fait de pas mettre des routes continues, par exemple, qui vont jusqu'à un grenier, ça pose pas trop de problèmes. Enfin, ouais, du coup, là, c'est là que mon exposé assez long commence. Au début de partie, effectivement, pour les industries, c'est vrai que alors, c'est pas ma première industrie là. En fait, j'ai commencé là, ce qui était un peu ambitieux. Oui. En fait, j'aurais dû faire ça. C'est ma première zone résidentielle en vérité. J'aurais pu la faire un peu plus grande, j'aurais pu en faire une deuxième finalement. Enfin, j'avais peur de faire une boucle trop grande pour tout ce qui est marché et tout ça. Là, tu vois, on a le fameux problème du y a pas assez de nourriture, donc en fait, il y a que les maisons proches du marché qui en ont et pas les autres. Alors par contre, bravo pour ta fontaine qui est derrière les rochers, hein. Franchement. Oui, incroyable. Je sais pas comment ils vont y accéder. Faut crapahuter pour aller chercher de l'eau. T'as soif, et ben vas-y, allez. Sisyphe, quoi. Mais t'es musclé, comment tu fais? J'ai souvent soif. Voilà. Ils ont pas de poterie en plus, j'imagine, ceux-là. Bah non, ah si, ils ont de la poterie quand même. Si, ils peuvent aller chercher un petit peu d'eau quand même. Et bonjour, Ouella. Salut, Ouella. J'ai pas changé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas changé le titre du stream. Tout à l'heure, j'étais en mode, mais pourquoi j'ai mis ce truc-là en plein écran? Oui, en effet. Alors, je suis devant, effectivement, c'est toujours Pharaon. Ah mince. Désolé, en plus moi j'ai gardé l'écran donc je n'ai aucune excuse. Ah, ça c'est tout moi, je dois faire un truc. Je suis une modératrice low cost, tu vois, je sais un truc mais je le dis pas en fait et je réagis pas, enfin bref c'est... Ave Kaiser. Voilà, c'est comme tout à l'heure, j'étais un peu décontenancée, je t'avoue, donc je m'excuse encore. Parce que je me dis, bah, ça aurait été sur ma chaîne, en fait, moi, il aurait été seconde 1, en fait. Mais comme c'est ton stream, je veux quand même avoir l'approbation du patron avant de faire quoi que ce soit, quoi. J'aime bien contrôler tout ça. Pas que je te fasse pas confiance, mais moi, j'adore changer moi-même ces trucs-là. Le problème de Luke Dunum. Ah, oui. Tac, elle est en train pour finir, blablabla. Voilà. En fait, c'est pas compliqué, hein. Ça prend 30 secondes, mais vu que je fais vu que je pense à 3000 trucs en même temps. Oui, c'est ça. Mais non, mais moi ça m'arrive souvent, t'inquiète pas. Hein. Donc voilà, pardon. Ça fait combien de temps Ça fait. Ça va, ça fait à peu près un quart d'heure qu'on est sur Kaiser 3. Enfin, en vérité. Non, toi, là, t'es au niveau au-dessus de moi, en fait. Hein, clairement. Alors, du coup. Donc, exposé. Donc, début de mission. Bon, bah, pour les industries, on n'a pas trop le choix. On se place un peu où on peut, finalement. On peut se placer là. Après, pour la main-d'œuvre, faut pas se prendre la tête. Je pense qu'il faut. Faut déjà faire un quartier avec beaucoup de travailleurs, enfin beaucoup de personnes, comme ça t'as plein de main d'œuvre. Bon, typiquement ça j'aurais pu le faire au début là, celui-là. Ouais, mais vu qu'il y a beaucoup de roches, je peux faire tout ce qui est marbre et... Ouais c'est pas mal, on peut faire marbre et fer. Bah, surtout là que t'as la route aussi, là le petit coin où t'as justement les deux escaliers là, c'est bien de développer le marbre et la poterie dans cette zone là parce que t'as la route qui passe en fait et au final les marchands mettent moins de temps. Alors fuite d'argile aussi. C'est un peu plus compliqué, on est obligé de faire ça là par exemple. Ouais près de parce qu'il faut être près de l'eau. C'est aussi ça qui pose problème parce que niveau résidence, quand tu fais une. Parce que forcément, tu veux atteindre 5000 de population et tu veux une certaine prospérité. Donc ça veut dire que tu veux quelques quartiers résidentiels avec tout ce qu'il faut, donc nourriture, eau, divertissement, religion, meubles, poterie.
Et donc finalement, le fait d'avoir l'eau là, c'est quand même assez contraint. Bon après, bon, avec les aqueducs, ouais si, on peut acheminer l'eau. Mais si tu veux l'acheminer là par exemple, c'est vachement loin. Et en plus, alors là, m'en parle pas. L'eau en fait, c'est un peu compliqué avec les aqueducs. Mais ce qui pose problème, c'est la nourriture. Donc finalement, les premiers quartiers résidentiels, tu vas les faire, enfin, de qualité on va dire. En vérité, tu vas les faire plutôt là, je dirais. Plutôt ici, là, à côté des fermes en fait. Plutôt là. Enfin, là j'ai fait un peu. Là au début, j'ai fait une grande boucle avec cette zone-là et cette zone-là. Du coup, c'est une même zone finalement. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Ça aurait pu servir pour un petit quartier résidentiel plutôt chic. Genre typiquement, je mets les fermes là, je mets les greniers peut-être un tout petit peu plus loin. Ou alors non, je mets un ou deux greniers là peut-être. Juste à l'entrée, tant pis, on perd un peu de place. Mais tout le reste, c'est pour les maisons. Donc ces maisons-là sont nourries. Donc en fait, il faut faire par étapes dans cette carte-là. C'est ça le truc. Ouais, après je t'avoue que là, l'île où t'as les deux greniers, souvent, moi, c'est vraiment le quartier résidentiel de riche. Hein, parce que, comment dire, c'est aussi une partie de la main-d'œuvre qui va, dans un premier temps, travailler aux fermes. Et qui a tout, en fait, sur cette île. Quoi. J'arrive à tout mettre, à part la poterie, bien sûr, qui est du coup souvent de l'autre côté de la rive, plutôt vers le sud. Mais en soi, souvent, c'est des apparts immenses, quoi. Donc, non, en fait, ce côté-là, tu peux facilement faire un quartier résidentiel assez huppé, quoi. Mais bon, c'est après que ça se complique, quoi. Voilà, c'est sur les autres zones que c'est plus compliqué. Ouais. Quoi. Donc, finalement, début de partie, c'est très simple. Spam de maisons, on leur donne de l'eau et les soins nécessaires. Donc, dispensaire, études d'ingénieur et préfecture. Très vite, on met en route l'industrie pour miner le fer. Donc, voilà, il faut beaucoup de main-d'œuvre. On commence déjà par poser les maisons. Ensuite, on met quand même beaucoup de mines de fer. Il faut à peu près deux fois plus d'ateliers d'armes. C'est à peu près ce qui se dit en fait. Tu connais Gamerzak, tu m'avais dit. Oui, c'est un grand expert dans ce genre de jeu. Oh la vache, ouais. Il est trop trop fort. Je l'ai vu, il a publié il y a quelques mois je crois que ça s'est fini à peu près il y a un mois. Une série de vidéos sur une mission spéciale dans Pharaon, qui n'est pas une mission de la campagne, hein, c'est une mission personnalisée. Où il faut atteindre 30 000 de population. Il s'est dit, moi je vais le faire, comme d'habitude, en très difficile. Il a galéré. Il a dû. Il a utilisé une méthode un peu cheesy pour le faire, mais il était obligé. Je crois que de façon legit, comme on dit, il a atteint 25 000. Il me semble. 25 000 ou 20 000. Je crois qu'il a atteint 21 000 quasiment sûr, 25 000 peut-être. Sans avoir les bénédictions en boucle. Donc, pardon, on n'arrête pas de se distraire, mesdames et messieurs. Bon, peut-être que. Je vais peut-être pas sauvegarder forcément ce qu'on montre là, parce que là, c'est plus pour de la démonstration. J'aimerais rebondir aussi ce que a dit Oella, mais t'inquiète pas, une chose c'est que moi aussi je suis en formation à distance, donc je suis pas souvent là pour les streams non plus, et que ce que j'entends par low cost c'est au niveau réaction. Je suis tellement pas là dans ma tête que voilà. C'est bizarre que t'aies pas de son. Ouais. Gigi Lou. Parce que moi je vois qu'il y a du son pour ça. Bah regarde si l'audio n'est pas désactivé par non mais l'audio est activé, c'est bizarre. Bon effectivement quand non, je suis mais, je veux dire de son côté. Ah oui bien sûr. Ah t'as pas de son du tout. Genre je fais des gestes et tu vois pas ce que je dis. Alors du coup je peux pas. Sinon F5 au pire. Ouais, quel son. Vérifie si le son est pas coupé. Attends, moi je vérifie parce que c'est vrai que j'ai mes écouteurs. J'ai vérifié aussi. Vérifie si le son est pas coupé. Ouais, non, moi c'est ok, c'est ok de mon côté. Ah oui, ça doit être un bug. Faut le dire quand il y a des trucs comme ça quand même, on sait jamais. Oui, bah oui, il faut toujours signaler parce que ce genre de problème. Là, il n'y a pas de problème. Oui, parce que des fois, c'est vrai qu'on mute selon ce qu'on a fait avant, des fois les streams sont mute. Donc, des fois, c'est la question que je me pose aussi si j'ai pas mute un stream quand je me connecte dessus. Bon, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bon, début de partie assez important. Bon, industrie, commerce, tout, voilà. Oui, bah voilà, donc le fer en premier lieu. Et très vite, t'es pas obligé de nourrir ta population d'ailleurs. Parce que tu veux de la main-d'œuvre, voilà, pauvre là. L'industrie, c'est ce que tu vas lancer en premier. Et à la limite, pour les premières fermes, donc ça va se passer là, évidemment.
Donc ça, c'est, ah, ça ouais, par contre, c'est obligatoire. Je crois que... Je sais pas s'il y a des différences de rendement en termes de nourriture. Je sais pas si le blé, par exemple, c'est plus... On en fait plus vite que de la viande, par exemple. Mais je sais qu'en début de mission, même très souvent, César va te demander d'envoyer de la viande. Ouais. Donc il te faut quand même dans tes fermes des fermes de viande. Des fermes d'élevage. Ouais, c'est ça qui est relou en fait au tout début, c'est que tu sais que t'as rien. Et un entrepôt, et bien sûr, te pour prend stocker ta tout bouffe. Ça. Ouais. Voilà. Ensuite, bonjour Gigilou, c'est bon, t'as le son. Ouais, il fallait recharger la page, ok. Revenu. Mais t'as eu raison de me le dire parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a un souci et on s'en est pas aperçu. Je préfère qu'on me dise qu'il y a peut-être un problème et que bah, qu'on vérifie et qu'il n'y en a pas plutôt que qu'il y en ait un que je le sache pas du tout. Par contre, j'avoue que les deux ponts, bah justement pour ta zone de ferme, les deux ponts, je les aurais pas fait de ce côté-là, mais plutôt de l'autre côté, en ça fait. Ça permet de faire une boucle, mais un seul pont, en vérité, je pense que ça suffit. Ouais, parce que du coup, je les aurais fait plutôt de l'autre côté, tu sais, pour peut-être mieux communiquer avec la plus grosse zone de la map au sud, en fait. Bon, sinon, voilà idéalement ce qu'il faudrait faire. Donc, ouais. Je sais pas si c'est vraiment obligatoire de faire une zone résidentielle où tu nourris des gens là ou là. Ça, peut-être que ça devient obligatoire parce que si tu vas atteindre 5000 habitants, quand même, faut beaucoup de zones. Ouais. Donc très vite derrière, faut évidemment penser à mettre les missions pour la diplomatie avec les indigènes. Emmurer les loups, voilà. Bon là, je leur ai laissé beaucoup d'espace quand même. J'aurais pu en laisser moins, je pense. Ça aurait été plus pratique parce que, tu vois, j'ai plein de zones qui sont très serrées. Et regarde ces aqueducs. C'est vraiment, quand t'as beaucoup d'aqueducs, c'est infâme. Bien penser à, avant même de fermer un aqueduc, de mettre une route en dessous. Premier, ça. Mettre une route en dessous parce que si jamais tu bloques, tu isoles une zone par rapport au reste de l'Empire, ça va te casser tes aqueducs et ça va être horrible. Et même, ouais. quand tu construis des maisons, là, par exemple là, faut faire gaffe, là j'avais une zone. Si je ferme cette zone là, le jeu il va casser le bâtiment qui gêne. Ou un des entrepôts, oui, d'ailleurs. Vrai. Il va casser un des bâtiments qui gêne. Et il va casser également des aqueducs sur le chemin. Donc en fait, tous tes réservoirs vont être déconnectés. T'auras plus d'eau et tout va régresser. Ça va être infâme. Et ça va super vite en plus. Parce qu'il suffit que tu coupes ne serait-ce qu'un bout d'aqueduc pour juste détourner une route. Enfin, pour essayer de gagner de la place, par exemple. En même pas un millième de seconde, t'as déjà tout ton quartier qui se vide, oh c'est trop naze, y'a pas de flotte, enfin voilà, t'as pas le temps de réagir, même en ralenti, c'est... Voilà quoi, Alors je pense que la nourriture de ce côté-là c'est surfait. Je vais essayer d'avancer un petit peu, vite fait, quoi. Je ferai une sauvegarde pour voir, donc on va les laisser régresser. Je t'avoue que j'aime pas ce côté-là de la map. Bon, finalement, une fois que la nourriture est plutôt produite de ce côté-là, forcément, on va vouloir... Bon, après, voilà, les indigènes à gérer, les loups à gérer, bon, ça se fait. Après, ces loups-là, je vais peut-être les repousser un petit peu, je sais pas. Tu peux, parce que je crois qu'ils sont allés... Alors, du côté ferme, ils sont allés un peu plus loin. Si tu regardes, tu peux faire mur un peu plus poussé. Je peux le faire. Pensant peut-être à enlever les quelques broussailles, en fait. Ouais, on peut en laisser quelques-unes aussi, ça bloque quand même. Par contre, je sais pas si t'as fait cette erreur-là, parce que moi, ça m'est arrivé, ne pas faire le mur trop près du dernier... Ah bah tiens, regarde, ils viennent de bouger. Ouais, c'est vrai qu'il y a tu dois avoir... Ah merde, ils sont revenus. Il y a un point de... Non, ils sont revenus au pire endroit. C'est vrai qu'il y a un point d'apparition, ils sont venus se coller au mur. Genre... Ah ouais, vous voulez nous bouger. Hein. C'est ça qui est... C'était pas nécessaire, les loups, sur cette carte, je trouve. Déjà, oui, en fait, Element, tu voudrais bien construire tout ça, là, mais t'as... En plus, les indigènes, c'est vraiment horrible. Ils occupent une place pas possible alors qu'il y a même pas une dizaine de maisons. Il y en a une là, une perdue là d'ailleurs. Que j'ai fait une mission juste et un bout de route juste pour elle. Horrible. J'ai peut-être construit trop de missions d'ailleurs. Bon là, j'ai construit il y a une maison là. Il y a une hutte indigène. D'ailleurs, qui est... T'en as combien de missions? T'en as 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pu en faire moins, je pense. Sachant que tu peux quand même casser la route, hein, quand, même quand ils sont hostiles. Ouais, disons, tu peux construire que les missions et les routes. Tant que tu mets pas deux bâtiments, deux bâtiments à toi. Alors, la réflexion de colonisateur. Oui, bah oui. Tellement. Ouais, on leur apporte la civilisation, quoi, mince.
Non, mais par contre, parce qu'on est, on apporte la civilisation à nos ancêtres, en fait. Donc non, mais c'est infâme parce que tu construis des missions pour discuter avec eux, t'es, ouais, tu te rapproches, ils sont sympas et tout. Et là, tu vas construire une ville, mais genre chez eux, quoi. Genre, la petite maison qui est là, tu mets des jardins autour de lui, tu mets un forum, t'as plein d'entrepôts, t'as des greniers, t'as un amphithéâtre, t'as du bruit partout. Genre, le gars, est-ce qu'il peut sortir de sa hutte, d'ailleurs ? Normalement, quand les jardins sont collés aux routes, ils peuvent marcher dessus. On va lui mettre un petit peu d'espace, je crois. Voilà. Après, ah, mais en plus, attends, c'est pas si mal. Il n'y a pas des zones. Ah oui, non, ils cultivent, mais il n'y a pas de zone cultivable ici, je crois. Oui, alors ça, j'avoue que c'est une grosse frustration aussi. Ça te donne envie, mais en fait, non. Alors, ce que je te racontais par rapport aux greniers, aux entrepôts, alors ce que j'ai fait au tout début, c'est que j'avais fait des fermes là, et j'avais. Je crois que c'était un entrepôt que j'avais mis là. Parce qu'en fait, les entrepôts, ils peuvent aller chercher de la nourriture. Ah oui, c'est. Ah oui, pareil. Gros cours, bien complexe, bien lourd. Alors, Carmen Cru, c'est quoi déjà aussi ? Les entrepôts et les greniers, comment ça fonctionne ? Donc dans Kaiser 3, faut pas prendre ça dans Pharaon. Dans Kaiser 3, quand les fermes livrent la nourriture, c'est d'abord au grenier qui les accepte. Enfin, bien sûr, faut que ce soit relié à une route. D'abord au grenier, puis à l'entrepôt, il me semble. Même si l'entrepôt est proche, ce sera le grenier, parce qu'on l'a vu là-haut. Les fermes ne remplissent pas les entrepôts, ils vont d'abord au grenier. Mais du coup, ce que j'ai fait là, c'est que les entrepôts peuvent aller chercher une marchandise chez un autre entrepôt. Et comme tu l'as vu dans Pharaon, quand un entrepôt va chercher quelque chose, la charrette n'a pas besoin d'une route pour aller le chercher. Pas forcément, en tout cas. J'ai fait des zones isolées comme ça. J'avais un entrepôt ou deux, je sais plus, qui acceptaient le blé de ces fermes là. Et j'avais un grenier et un entrepôt ici. Bon, j'en ai mis très vite deux finalement parce que, comme je te l'ai dit, l'entrepôt n'a qu'une seule charrette et c'est la même charrette qui va chercher la nourriture et qui la livre au grenier. C'est ça qui est compliqué, le grenier ne peut pas aller chercher la nourriture à l'entrepôt. Ce serait beaucoup plus pratique. Ce que je voulais faire à la base, c'était avoir un entrepôt qui stocke la nourriture dans la zone des fermes, avoir un deuxième entrepôt qui va chercher la nourriture. Parce que les charrettes des greniers ne peuvent pas quitter les routes, même s'ils vont chercher des trucs. Et dans l'idéal, j'aurais bien aimé que les greniers aillent chercher la nourriture dans les entrepôts, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire. Si tu dis à un grenier d'aller chercher la nourriture, et que t'as un entrepôt juste à côté qui stocke la nourriture, il y a une route qui relie les deux, et que l'entrepôt n'a pas va chercher, ben le grenier ne pourra pas aller chercher la nourriture. Disons qu'en fait, même ce que j'étais en train de te dire, ça marchait pas parce que... En fait, quand t'as deux entrepôts, par exemple, qui vont chercher des trucs, ils se piquent pas les trucs entre eux, en fait. Oui. Ils ont tous les deux le même niveau de priorité, donc finalement, il n'y a pas, ils peuvent pas aller se piquer la nourriture entre eux, ils vont chercher plutôt dans des entrepôts qui vont seulement accepter la nourriture. Oui. Sinon, ça ne sert à rien, bien sûr, ce serait buggé. Oui, oui. Mais du coup, tu peux pas faire ça avec un grenier et un entrepôt, par exemple. Tu peux pas dire à l'entrepôt, stocke simplement ça, et au grenier, va chercher ça. Enfin, va chercher. Tu peux pas demander. Ouais, d'accord. Ouais, bref. En fait, ce qui se passe, c'est que un entrepôt, dès qu'il aura de la nourriture et qu'il aura un grenier qui sera relié à lui par une route, il ira automatiquement livrer la nourriture. Ouais. Le problème, c'est que, je te l'ai dit, j'avais les entrepôts qui faisaient les deux à la fois pour une seule charrette. Va chercher et va livrer. Alors, va chercher, c'est pratique parce qu'il prend, il peut prendre 400 unités de nourriture à la fois. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais le problème, c'est qu'il livre 100 par 100 au grenier. Ah oui. Donc finalement, on n'arrive pas à remplir les greniers. Parce que, comme je te l'ai dit en plus, il va systématiquement chercher d'abord à remplir l'entrepôt de sorte à ce qu'il ait 800 unités d'une même ressource. Donc en fait, dès qu'il va livrer le grenier, dès qu'il va livrer 400 unités au grenier, il va aller rechercher 400 unités à l'entrepôt. Donc en fait, il va en stocker 800, mais... Concrètement, il va fonctionner comme s'il va en stocker 400 à la fois, tu vois. Oui, d'accord. C'est vraiment stupide. C'est vraiment que quand il n'y aura plus rien d'aller chercher, qu'il va tout livrer, quoi. Oui, mais comme il livre petit à petit, et que le marché se jette dessus parce qu'il n'y a pas de nourriture, tout le monde a faim, on a le problème qu'on a quand même là. Il n'y a pas assez de nourriture et là, ça se voit. Il n'y a pas assez de nourriture dans la zone, ce qui fait que dès qu'il y a un tout petit peu de nourriture dans un des greniers, le bazar se jette dessus. Et il épuise très vite ses stocks en vendant aux maisons les plus proches. Donc ce qui fait que les maisons les plus éloignées, pas celle-là bizarrement, n'ont pas de nourriture. Ouais. Bon.
Donc finalement, ce que je conseillerais, donc j'ai fait ça sur plusieurs zones, hein. J'avais cette zone-là qui fonctionnait plutôt bien. Alors le système d'avoir les entrepôts qui vont chercher et qui livrent au grenier, ça finit quand même par marcher au bout de 2-3 entrepôts. Mmh. Après t'as le problème de la place. Un entrepôt, oui, ça prend déjà beaucoup de place. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais dans cette zone-là, ça marchait très très bien. J'avais 3 entrepôts, et en plus, l'avantage, c'est qu'ils étaient très proches de ces entrepôts-là. Ouais. Et c'est aussi ça le problème, finalement. Ça pourrait marcher, ce système-là, de zones déconnectées, si jamais il y avait plusieurs zones où on pouvait produire de nourriture. Et que on n'avait pas trop de distance, parce que mine de rien, quand t'as des maisons là, et ben les fermes, elles sont tout là-bas. Enfin, cela dit, ouais, le stockage est là. Mais même quand le stockage était là, ça posait quand même des problèmes. Quoique non, 2-3 entrepôts... J'ai dû refresh la page parce que des fois ça rame. Donc je suis sur mon PC portable, c'est le fameux PC dont j'ai cassé l'écran là, et je suis obligé de connecter une télé pour faire fonctionner mon PC. Ok, merci pour la précision, Jijou, j'avais pas compris le... Carmen Cruz, ça me disait quelque chose, donc c'est ce que je voyais depuis tout à l'heure. Et... aussi. Tati Daniel aussi. Soupe aux choux aussi. C'est la même chose, quoi. Mais oui. Donc du coup, ce que je préconiserais pour cette carte-là, finalement, ce serait du coup d'essayer de construire des maisons là, mais je sais pas combien d'habitants j'ai dans ces zones-là, parce que c'est quand même assez évolué, c'est ça le problème. Parce que si jamais l'objectif c'était genre 3000 ou 4000 habitants, je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Ouais. Mais en vrai, il te reste pas mal de place avec ce que t'as fait, hein, au final, donc... Et hop là! C'est bon. Incroyable. Ah oui, parce que je te vois faire hop là, mais comme j'ai un décalage avec l'écran, du coup je me dis merde, qu'est-ce que c'est. C'est pour ça, j'ai attendu avant que tu apprennes ce que j'ai fait. Alors comment on y accède à cette zone ? Ça devait être un truc de ce genre. Parce que du coup t'as pas fait de route. T'as mis le... Ah bah oui, non, là t'es coincé parce que t'as close en fait la zone. Ouais, je vais virer une ferme peut-être. Je pense que le... Oui, je peux virer une ferme. Ouais, tu peux te permettre de virer une ferme. Alors du coup, oui, pardon, j'ai pas fini mon truc. avance lentement, c'est infâme, c'est horrible. Désolé YouTube, hein, désolé Twitch. Bon, finalement, le truc de système déconnecté, alors là, c'était encore pire, parce que du coup, j'avais des greniers qui allaient chercher le blé, mais ils allaient le chercher là. Et en plus, du coup, moi, j'avais plein de zones, j'avais cette zone-là, et... Enfin, pas du coup, pas celle-là, et cette zone-là, qui se battaient pour les ressources qui étaient juste là. alors qu'ils étaient assez nombreux, quand même. Et manque de bol, là j'ai quand même pas mal d'habitants, là, mine de rien, avec les maisons qui ont pas mal évolué. Bah là j'ai énormément de nourriture, tu vois, avec toutes les fermes et tous ces greniers là. Donc là je rapproche un petit peu la nourriture aussi, au cas où. Parce que du coup ces greniers là, donc là tous les greniers sont reliés par une route. Là toute la ville, techniquement, ou presque, enfin, tous les greniers qui sont, même jusque là quand j'avais encore des greniers, tout était relié par une route. Et du coup, tu vois que les corps de garde, je l'utilise beaucoup parce que c'est l'ancêtre du barrage routier. Oui, super. Alors, le barrage routier est tellement pratique dans Pharaon. Maintenant, j'imagine même plus jouer sans. Et encore, jusqu'à ce que je reprenne Pharaon avec mes streams, je ne savais pas que le barrage routier était si précieux. Oui, s'il n'y avait pas eu le remake. Je ne savais pas exactement comment il fonctionnait. Et maintenant, j'imagine plus faire des cités sans barrage routier, quoi. Mais du coup, le corps de garde fonctionne comme un barrage routier. Alors, il y a deux contraintes principales. Les gens sont pas contents de vivre à côté, en général. Bon, là, c'est des petites maisons, donc ils s'en fichent, apparemment. Mais là, les riches qui sont là... Ah non, ça va, les riches, ça va, ils sont pas trop contrariés. Mais non, c'est quand même une structure militaire. Donc, mine de rien, ça génère un attrait négatif. Je pense qu'on peut le voir... Regarde les petites tentes là, justement en dessous, elles sont juste devant le truc. Oui, mais non, elles disent rien, mais je pense que c'est parce qu'elles sont. Il y a des plazas aussi. Ça compense en fait. C'est où l'attrait ? Administration, je crois. Ah, commerce, d'accord. Non, t'as. Voilà. Attends, zut. Secteur très convoité, non, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah, bah oui. Bon, là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des jardins et des plazas partout. Qui est beau. Ouais, c'est magnifique. Je peux faire un truc alors, je peux faire un test. Corps de garde. Le rouge, c'est là où là. C'est pas du tout attractif en fait, hein, c'est ça. Voilà, tu vois. Enfin, tu vas voir dans quelques instants là. J'ai posé le corps de garde et ça a généré un attrait négatif. Ah.
D'accord. Donc ça reste une structure défensive. Les murs, je pense que c'est pas... C'est pas... Ah, les murs, moins sûr. Le mur. Le mur, il s'en fiche. Ok. D'accord. Donc voilà, il y a ça et le fait qu'il fasse deux cases. Donc en fin de compte, bah oui. En fin de compte, jamais, si jamais tu veux faire deux petites zones, je vais mettre, par exemple, ce sera ma future zone. Je veux faire par exemple une boucle ici pour que ce soit bien, pour que tout, voilà, tu connais un petit peu les promeneurs, ils prennent des directions au hasard, genre typiquement les pompiers, ouais, ouais. Enfin les préfets, les architectes. Tu veux qu'ils prennent, enfin tu veux contrôler leur itinéraire. Donc une boucle, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si tu veux faire genre deux boucles comme on peut faire dans Pharaon par exemple, deux boucles connectées juste genre. Voilà, j'aurais laissé plus d'espace, en vérité. Tac. Donc là, si je fais une deuxième boucle un peu éloignée et que par exemple je veux la relier que par un bout de route, genre par exemple, je sais pas. Comme ça par exemple. Mm-hmm. Mais si, ça marche quand même, attends. Alors je crois que là où ça me pose problème, c'est quand je fais ça. Non, ça pose pas de problème, attends. Parce que idéalement, c'est un barrage routier là, un barrage routier là. Et du coup, voilà, pour le corps de garde, ouais. si tu te mets dans un coin, faut faire gaffe. Faut surtout pas que le corps de garde se retrouve. En fait, faut vraiment bien le coller, en fait. Faut pas qu'il dépasse d'un côté, tu vois. Sinon, ça va te faire un truc bizarre avec les murs. Regarde un peu, corps de garde, je le place là, tu vois. Alors attends, j'attends de voir. D'accord. Là, c'est bon, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Donc là, il crée une route en plus, et du coup, tu vois, t'as un bout de route qui dépasse, et du coup, ma boucle n'est plus une boucle parfaite. Donc en fin de compte, les corps de garde, là où c'est vraiment contraignant, c'est que dans Pharaon, où tu peux faire des petites routes qui dépassent et mettre juste un petit barrage routier qui prend une case, et ben dans ce jeu-là, t'es obligé de faire ça. Tu mets le corps de garde, tu le colles à ton rectangle, quoi. Ouais, c'est ça, mais tu disais pas tout à l'heure qu'il existait un mode justement qui permettait d'avoir des barrages routiers. Oui, Augustus corrige ça. Alors effectivement, les corps de garde, ils sont trop proches, ça marche pas non plus. Ça fait trop longtemps. Ouais, non, mais ça prend une place énorme. Parce que là, si je fais le corps de garde, il m'a fait un truc bizarre parce que c'est très proche. Bah, j'essaierai le mode du coup. Ah bah, Gamerzak en a parlé. Alors, la rotation se fait automatiquement. Attends, quoi? Ah oui, en plus, c'est encore pire que ça, c'est du 2x2, c'est pas du. Ah d'accord. Mais ça prend là où j'ai place, quoi. Mais j'ai été dégoûté. En fait, depuis ce jour-là, j'ai l'impression qu'en fait, je me suis découragé depuis le jour aussi où j'ai vu un mec réussir cette map en une demi-heure. Ça m'a rendu folle. Ça m'a rendu dingue parce que j'ai fait. Mais comment il fait, quoi? Je veux pas me le tourner en plus, c'est horrible. Donc, ouais, avec talent, mais je suis sûr que même toi, tu réussis pas. Je me fais descendre en flèche gratos là. Tac. Mais voilà, c'est galère quoi, quand tu veux faire deux zones très proches avec deux corps de garde, en fait, faut faire quatre cases minimum. Et encore, ça te fait des routes assez infâmes, donc là, c'est moi qui fais des bêtises. J'ai pas colorié sans déborder. Mais voilà, les corps de garde, c'est hyper galère, mais bon, pour cette carte-là, c'est pour moi, c'est la seule façon de relier tous les greniers de façon propre. Donc les cinq greniers que je t'ai montrés, les plus proches des fermes, eux, ils sont sur uniquement accepté. Et tous les autres, donc celui-ci aussi, et sur va chercher. Alors le truc c'est que ce grenier est très proche des fermes. Oui, il y a ça aussi. Ouais, la proximité avec les fermes quoi. La ferme, je crois que la ferme ne calcule pas la longueur de la route, mais plutôt la distance qui la sépare à vol d'oiseau du grenier. C'est ça. Donc en fait pour ces fermes là, ce grenier là est très proche. Donc je crois que ces fermes là vont, et même ces quatre là en fait, cinq même quasiment, vont systématiquement chercher, pas sûr pour celle pour la dernière peut-être. Mais ces 4 œuvres vont systématiquement chercher à livrer ce grenier-là. Bon, ce qui est bien pour cette zone-là, finalement, mais c'est un peu contraignant. Je t'avoue que moi, j'en fais un grenier, mais à l'extérieur de la zone, bah, pile en bas des marches de l'escalier. Et bon, après, le problème, c'est que comme je ne mets pas de tour, bah, ça fait certainement de quartier et qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de bouffe. Mais disons que... Enfin voilà, quoi, je sais pas comment expliquer le truc. Il s'est entraîné pendant des mois, il a sorti son stream quand sa map a été top. Du speedrunning de jeu de gestion. Ah bah oui, non, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça doit être costaud au niveau préparation quand même.
Ouais, ouais, bah le quand on parle de speedrunning, surtout au niveau de gestion, mais ça demande des heures et des heures d'entraînement et de... il faut être solide mentalement aussi, quoi, pour. Alors après, pour le bien du speedrun, parce que le but étant d'aller le plus vite possible, voilà. Oui, bah. Oh, j'ai mis difficile. Je m'étais dit, ouais, peut-être que je vais jouer en normal pour voir ce que ça donne, mais je l'ai mis en difficile. Yeah! Ah ouais! Ah bah tiens, je crois pas que t'aies vu le replay justement où je te dis, bah tiens, si Kev regarde ce stream, il va avoir la ref parce qu'à un moment donné, je crois que j'ai pété un cap sur je sais plus quel jeu. Pas de Tabs. Enfin, je sais plus si c'est sur Tabs ou autre chose, mais j'ai fait yeah! Yeah! Happy birthday! Yeah! Voilà, tout de suite j'ai pensé à cette vidéo là et je me dis, tiens. Where did you go? He just jumped off! Jumped off, pardon, j'ai mal. My music invokes suicide. My music invokes suicide. les souvenirs du début des années 2010. Minecraft. Minecraft et Spoon qui s'est détaché de Minecraft au bout d'un moment. Y'a pas assez de meubles. Pourquoi? Oh, les meubles, je trouve ça infâme à faire, sauf quand c'est toi qui dois les fabriquer. Mais. Et ben alors? Michel Palaref, ouais, ouais. C'est des. C'est des, Palaref, c'est des youtubeurs. Enfin, pour certains d'anciens youtubeurs. C'était des youtubeurs. Ouais, bah oui, bah maintenant ils sont tous sur le streaming maintenant. Ils sont également tous sur le streaming, ouais. Bah, ils sont plus du tout sur YouTube, alors, à part pour les replays, et encore, je suis même pas sûr. Bon, you have one job, c'est aller chercher. Lui là, le mec là. C'est les meubles. You have one job. Oh, les termes évoluent aussi, tiens, c'est cool ça. Alors, t'arrêtes. Non, mais quand même, Kevin, je tiens à te tirer mon chapeau. Parce que t'as quand même réussi à faire plus de trucs que moi. Dans une difficulté supérieure, sans même t'en rendre compte. Bah après, je sais pas si en normal ça passerait à cette idée-là. Parce que le gros problème, après, on voit que c'est quand même la prospérité. Bah, déjà, quand tu vois que t'es en niveau difficile, dans un sens, ça m'étonne pas que la faveur de l'empereur descend à ce point-là. Ah ouais, y'a un problème de. T'es à 14. 14. Ah c'est... oui. Bah, t'es à 14 en niveau faveur, donc c'est, je pense. Alors, cadeau. 66 mois. Déjà, le temps passe vite. Ah oui, non, là, faut que t'en fasses ça, combien, c'est obligé. On est à 14, tu me l'as dit tout à l'heure. Tu fais le guépard et Sirache, peut-être. Waouh, 24. Tu lui envoies de l'argent, ou bien, je sais pas. Et donc là, si je spam... 29. Donc c'est moins efficace. Je crois que... Ouais, mais je crois que c'est à partir de 10 où il commence à diriger tes tombes à ta cité, en fait. Hein. Il me semble. Ouais, d'accord. Ah ouais, non, bah là, ça m'étonne pas, en fait. Si t'es en difficile, c'est sûr que là... Ouais, il faudrait que je la recommence au moins en normal, mais si jamais je fais des vidéos, des streams sur ce jeu-là, je jouerai en difficile. Hein. Parce que oui. Pharaon, par exemple, je suis passé en difficile parce que, bah voilà, j'avais compris les mécaniques. Et en fait, normal, c'est pour le petit gameplay casu qu'on se fait de son côté. Et après, bon, voilà. Ouais. Après, vu que je progresse dans ces jeux-là, autant faire suivre les difficultés. Mais je savais plus qu'on pouvait désactiver les dieux. Ah bon? Oui. Dans la difficulté, oh, vas-y. Tu peux retirer l'influence des dieux. Oh, je savais pas, du coup, si je l'avais... Zéro temple obligatoire. Yes. Oh. Les oracles, on oublie. Les temples, on oublie. Les festivals, on oublie. Yay. Mais non, mais Osef, je vais tout enlever. Bon, sinon, là, besoin de meubles. C'est un problème de distribution, peut-être. Ils épuisent les meubles avant d'arriver aux autres maisons, peut-être. Ouais. Par contre, je sais plus au niveau du prix des marchandises, ce qui est plus cher au final. Parce que les meubles, tu les fabriques grâce au bois que tu reçois aussi, je crois, hein, c'est ça. Et celle-là, t'as pas de charpentier. Ah oui, c'est vrai que j'achète du bois, ouais, effectivement. Lake, ouais, tout à fait. Ah oui, effectivement, j'ai un entrepôt pour les meubles et le bois, mais vu que les... Qu'est-ce qu'ils foutent eux là? Parce qu'ils sont censés aller chercher le bois. Ah non, mais ah, t'as le même bug que moi. T'as exactement la même chose que moi. Mais je crois qu'ils font pareil pour toutes les ressources. Ils remplissent l'entrepôt que quand ils en ont 8. Enfin, 800. Ah. Parce que je sais qu'une fois j'avais mis l'entrepôt donc avec que le bois. J'avais mis la fabrique de meubles juste à son pied, tu vois. Mais je n'avais. Enfin, la fabrique ne marchait pas. Il y avait du bois à balles et ça ne marchait pas. Et pourtant, j'avais de la main d'œuvre et tout. Hein. Il y avait
Il y avait des gens dedans, enfin voilà quoi. Je sais pas pourquoi j'ai mis des jardins là. Et idéalement il me faudrait un entrepôt carrément. Tu peux garder un carré, tu peux garder un carré peut-être. Tiens, regarde, regarde-moi ça là. À quel point c'est long et pénible. Cette agression visuelle pour les habitants du quartier. Quoi? Ben ça va, ils ont des jardins et un temple, voilà. En plus, ils mangent, je sais pas comment d'ailleurs. Comment ils mangent? Il est où leur marché? Ah, il est là, pardon. Non. Mais tu sais qu'il y a eu des maisons qui ont eu de la nourriture à côté des greniers, je savais pas comment c'était possible. Hein. Parce que ce marché-là, je l'ai mis vraiment très tard. Bah, peut-être que... Bah, je sais pas, est-ce que les IA ont l'intelligence d'aller chercher directement au grenier sans marcher, au final? Non, je crois qu'il faut vraiment passer par le... Par le marché. Mmh. Bon, combien? 27. Un cadeau. Alors, par contre, bravo pour ton appellation, très cher débiluste. C'est. Oui, je trouvais que c'était rigolo. T'étais fatigué ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que des fois, quand je fais des bêtises, dans quelle série que j'ai dit ça? Enfin, dans des streams, ouais. Des fois, je m'appelle Kevinus Debilus. Ah bah, c'est dans Pharaon, je crois. Quand j'oubliais des trucs, j'étais Kevinus Debilus. Enfin, c'est un truc que je dis pour plaisanter quand j'oublie un truc. Remarque, entre Kevinus Debilus et Luminus... Comment je me suis appelé? Luminus Patatus, je crois, ou quelque chose comme ça. Et dans Pharaon, meilleur nom possible, Insomnis. Ah bah alors lui... Ça résume mon année 2021. C'est incroyable. Ah bah oui. Insomnis. Mais alors du coup, moi, si je faisais Pharaon, ça donnerait quoi? Patatis? C'est moche. Faudrait que je déplace... certains greniers pour être sincère. Bah là, je trouve que 5 ça fait pas mal. C'est en très vrai, bien. Ça fait... Mais en fait, ça aurait été bien d'avoir une vraiment cette zone là que des habitations. Et limite avoir les greniers extérieurs, c'est pas grave parce que les marchands qui doivent aller acheter des trucs au grenier ne sont pas bloqués par les corps de garde. Tous les promeneurs qui ont une destination ne sont pas bloqués par les corps de garde. Et d'ailleurs, justement, c'est le cas des charrettes, hein, tu vois. Ouais, ouais. Mais si je comprends bien, du coup, ça fait comme dans Pharaon, où tout ce qui est marchandises... marché en règle générale, c'est pas bloqué, en fait, par les tours, quoi. En tout cas, ceux qui vont quelque part... Enfin, ceux qui vont au grenier spécifiquement pour acheter des trucs ou aux entrepôts, ils sont pas bloqués. D'ailleurs, j'ai un entrepôt qui est à l'extérieur, là, ça gêne pas du tout. C'est génial. Peut-être déplacer un grenier, effectivement, tiens, ton grenier. Bah ouais, c'est pour ça que je dis, moi j'en mets un au pied de l'escalier, derrière la petite maison, et je bouge le chemin. Parce qu'en plus, j'ai déjà une petite zone là avec, pour pour l'entrepôt en vérité. Et mon deuxième écran s'est éteint, c'est formidable. On va essayer de caser, attends, un truc. Je vais caser un autre grenier, tu vas voir. On va essayer de... Après, pour faire le... Alors, attendez, je vais demander à peut-être deux greniers de se vider. Comment je vais faire ça? Si je veux faire des habitations quelque part. Je sais pas quel grenier je vais virer. Est-ce que ceux-là sont plus proches? Ouais, on va peut-être virer les plus éloignés. Donc ouais, les deux du fond, je pense que je vais les virer. Sinon, voilà, ils sont les loups, ils sont là. J'ai été sympa avec vous. Non, je vais rester sympa. On va déjà demander à ces deux-là de vider. Ah mais non, c'est incroyable, regarde. Les deux greniers, finalement. Ceux-là même, effectivement. Alors, mais quand il y a plusieurs greniers, alors, qui sait? Bah, t'as le vrai JDG. Ah bah, t'as le vrai JDG, oui, tout à fait. Il y a JDG Enfant aussi, peut-être. T'as le faux qui est celui d'aujourd'hui, t'as le vrai qui était celui d'avant. JDG Enfant, bien sûr. Du coup, t'as Seb Enfant aussi, parce que l'épisode de Terminator avait un Seb Enfant. Karim, non? De Bosch? Oui, certainement. Ah bah, il doit y avoir un Seb Panda aussi. Il y a toute l'équipe, en fait. Rien de myope. Parce qu'ils ont des entrepôts en plus, donc là en fait, c'est ça, ils ont des entrepôts. Ils ont leur propre studio, je crois, maintenant. Et ils ont réussi à trouver. Ah oui, tout à fait, oui. Le Satpanda en parle un petit peu dans certains de ses streams. Ah ouais, je le suis de temps en temps, Satpanda, sur ses nobles aventures sur Skyrim. Voilà, avec Clut. Oui, tout à fait, oui. Comment ça, qu'est-ce... Mimi, comment ça, quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'école?
Ah non, mais l'école, c'est... L'école. Comment ça se fait, quoi, que les... qu'un jour, il n'y a pas école et c'est bon, c'est la fête? Ça y est, ils sont confinés, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de virus chez eux, mais il n'y a pas de chômage, donc si ça se trouve, il n'y avait pas assez de... J'ai tellement d'armes, c'est infâme. On va essayer de récupérer quelques employés par-ci par-là. Bon, le marbre en vérité, ça va, je pense qu'on en a assez. Ah, ouais, non, mais au point que même tes charrettes sont bloquées, donc je pense que c'est bon. Regarde-moi non, tout ce marbre. Non, mais t'as tellement bourré les marchandises. Mais moi, je peux faire toute une rangée d'oracles à l'entrée de la cité, c'est bon. Alors, par contre, méfie-toi quand tu supprimes des carrières de marbre, je me suis souvent fait avoir. Je me suis très souvent fait avoir. Que des fois j'en supprimais, puis finalement après tout le monde se jetait dessus, puis oh, il n'y en avait plus. Où est-ce qu'ils sont partis là, les deux? Ils vont là-bas. D'accord, ils vont tout là-bas. Mais c'est pas le plus proche. T'es bien relié à une route, toi? Bah oui. Il y a un petit bout de route dans le fond là, caché par la queue du cul. En vrai, que Kev il est pas souvent là sur Discord en fait. Attends, quoi? Si, si, oui, lui il est relié par une route. C'est vraiment infâme. D'ailleurs, c'est vrai que les greniers, on peut économiser de la place. Parce que tu sais qu'ils peuvent fonctionner comme une route. Oui. Genre, tu peux. Genre, tu mets un grenier au milieu d'une route, tu mets. On peut passer en dessous, quoi. Ça peut faire un carrefour. Mais du coup, c'est pas bien. Oui, parce que là, bon, là, les jardins, bon. Je pense qu'il y a un jardinier qui passe par là, tu vois, il voit ses fleurs piétiner, il doit pas être forcément très joyeux. Hein. Alors quand il vide le grenier, je sais plus si c'est beaucoup à la fois. Charrette. Oh les pauvres bégonias. C'est vrai qu'on voit pas combien ils transportent à chaque fois dans leur charrette. Bah non ouais c'est... Mais pardon. Excuse-moi, Wella. Oui alors Discord, j'y suis quasiment jamais. Comment ça, ça fait des mois que je te mets un gros vent? Attends. Est-ce que t'as reçu le message seulement? C'est pas Discord. Attends, oui, c'est ça le problème, j'ai pas reçu de message. Parce que oui, des fois, même Vardo, hein, je lui mets des gros vents parce qu'il m'envoie des messages, mais en fait, je les vois pas. C'est quoi ton pseudo sur Discord, Wella? C'est Wella aussi ou c'est... C'est Wella, oui, bah, je l'ai dans le potager. Ah bah, c'est marrant, j'ai il pas... Il est dans le potager, c'est Wella, mais alors le H majuscule. Ouais, mais j'ai pas du tout de message ou ta demande, je... Là j'ai rien. J'ai quelqu'un mais c'est quelqu'un que je connais pas. J'ai une demande là mais bizarre. C'est où elle là? Weird. Ah oui donc en fait c'est juste. Ah oui d'accord. Si c'est toi docteur. Oui d'accord. C'est toi le docteur. Ah, bon, oui donc j'accepte bien sûr. Ah d'accord. Après oui mince c'est vrai que le Discord. Ouais bon tant pis. Discord j'utilise. Alors, la phrase correcte, c'était Discord, j'utilise presque pas, mais le Discord, c'est vrai qu'avant tout, j'essaie quand même de... Non, en fait, je... non, rien. Non, mais oubliez ce que j'essaie de dire. Non, c'est n'importe quoi, ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. Mais après, moi, j'ai pas de serveur Discord, donc bon, c'est pas... C'est bon, j'ai pas eu le bug. Ah, je sais pas si vous entendez, sinon tu entends. Ah oui, mais non, t'as pas le son du stream, Bah attends, peut-être qu'avec les écouteurs... Non mais je vais devoir quitter et relancer. Alors on va sauvegarder, enfin on va faire une sauvegarde. Ah attends, c'est pas la musique qui reboucle, par hasard? Non, c'est une réplique d'un personnage. Oh oui, alors c'est très 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 relou. T'es là depuis le CD? C'est depuis le CD que tu joues là? Non, le CD ça lance plus, donc c'est la version Abandonware. Oui, alors... Faudrait que je le rachète quand même, Kaiser 3 quand même. Et même, tu auras potentiellement ce même bug aussi si tu rachètes... alors moi, comme je dis, c'est sur Steam, moi, que j'ai eu le patch FRHD. Il y a dans le Steam Community un guide qui te permet de télécharger le truc, et c'est relativement simple à installer. Après, bon, comme je dis, sur GOG, je sais pas trop... parce que je crois... Il est aussi sur GOG, hein, je crois. Hein, si je peux... C'est vraiment infâme pour les crochets, quand tu veux accélérer ou ralentir le temps. Non, parce que c'est vraiment crochet, hein, c'est pas la touche où il y a le crochet dessus, hein. Parce que si tu fais ça comme ça, ça fait que les parenthèses. Faut vraiment bien faire Alt GR et accélérer pour que ça accélère vraiment. Enfin, et la touche pour que ça accélère vraiment. Donc c'est vraiment infâme. Bon, l'empereur est content, mais... Voilà. Mais moi, le serveur Discord, c'est trop bien parce que des fois, tu vois, j'ai pourtant un onglet programme, mais j'oublie de mettre le programme. Et hier soir, je me suis craqué à mettre... avec Stream Elements, du coup, je mets un compteur maintenant. Tu vois, je dis à tout le monde, ouais, je stream mercredi soir et tout. Et puis finalement,
mercredi à 15h, je me rends compte que j'ai pas mis le stream du mercredi soir. Et là, j'étais... ça va être facile pour, comment dire, faire circuler l'info. Finalement, j'ai pas eu beaucoup de monde, mais j'étais en très bonne compagnie. Ok, donc, bon. Ça... Sinon, je crois que le but, c'était que je donne des pistes pour la résolution de cette carte. Oui, bah déjà, dans le milieu de ce que je vois, parce que je sais pas si tu le sais, mais moi, je mémorise beaucoup aussi par observation. Mm-hmm. Et de ce que je vois au niveau de ton organisation, déjà, j'y vois un peu plus clair. Donc, c'est déjà un point en soi. Après, le problème de ce jeu, c'est qu'il y a aussi, même s'il y a, voilà, il y a des actions qui s'enchaînent avec ce que tu fais, il y a aussi un peu d'aléatoire. Donc, du coup, c'est... Enfin, voilà, de toute façon, je crois que je vais abandonner déjà l'idée de faire impérativement un petit village au tout début, hein, au tout début de la map. Avec de la vraie nourriture, quoi. Ouais, voilà. En fait, je vais surtout bourrer entre guillemets, hein, bien sûr, dans un premier temps, le premier coin des fermes, chose que je fais à chaque fois. Et peut-être faire un peu plus tôt que prévu aussi, après avoir mis en place le commerce, notamment des armes et du marbre, plutôt mettre les missions et faire traverser le pont à mes péons plutôt que ce que je faisais jusqu'à présent. Parce qu'au final, les missions, je les mettais assez tard. Et je pense que c'est un tort, parce que du coup, le temps que ta cité grossit, la nourriture vient très vite manquer, en fait. Et c'est mieux d'aller chercher d'abord... le plus tôt possible, du coup, les missions pour essayer de convertir tous ces manants pour ensuite avoir accès au territoire un peu plus fertile pour faire de plus gros corps de ferme. Quoi. Alors, je tente un truc. Alors, je m'étais dit non, les maisons d'abord. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai fait deux fermes, j'ai fait non, les maisons d'abord et j'ai mis un grenier. Bah écoute, c'est une maison, t'as de la paille fraîche. Insupportable le mec, au secours quoi. Bon après c'est surtout quand il pleut, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, t'as quelques infiltrations. Je pense que je vais mettre que 3 fermes ici quand même. Parce qu'après c'est vrai, moi à chaque fois je mettais 36 000 fermes et tout, en fait t'as pas besoin d'en mettre tant que ça quoi. C'est surtout qu'il faut que la nourriture soit bien distribuée. Ouais. Parce que souvent, quand le jeu dit il manque de la nourriture, c'est surtout une question de gestion. En fait, la zone que je suis en train de faire, je pourrais l'isoler. Elle pourrait s'en sortir toute seule. Parce que si jamais les... Ah, d'accord. T'as changé de... Ok, d'accord. Peut-être que je vais faire ça, du coup. Du coup, ça m'enlève... Je vais laisser le corps de garde qui est là, quand même. Au cas où. Par contre, quand tu retires un corps de garde, ça fait vraiment un truc très moche. Hein. Ah bah là, les architectes, ils ont pas vraiment pensé aux conséquences sur du paysage, enfin de l'infrastructure sur le paysage. Hein, c'est... Les maisons, Kev, les maisons... Ah oui, c'est bon, j'y ai pensé. T'as des sans-abri qui viennent dans ton champ, profites-en. Yeah. La promotion à la Stéphane Plaza. De la main-d'œuvre pas chère. Le capitalisme. Quoi? Allez, par contre, si tu veux faire des maisons là-haut pour l'eau... Ah ah. Mais t'as... J'ai un réservoir juste en dessous, mais voilà, je peux pas faire des maisons partout. Bah t'as un réservoir... Ouais, bah oui. Mais en fait, le réservoir juste en dessous, moi, il m'a servi à un moment donné pour mettre des fontaines, hein, perso. Ouais, mais du coup... Oh, je pourrais faire un truc, mais c'est infâme. Et des fois, faire des trucs un peu pétés hein, pour ah, y arriver. Ouais, c'est ça. Attends, en fait, l'escalier, il est juste pour te casser les pieds, parce que tu peux pas mettre de réservoir de ce côté-là. C'est ça, c'est complètement ça. Aqueduc. Les aqueducs, ça monte pas les escaliers. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Oui, c'est un inconvénient. Non, mais c'est infâme parce que j'aurais pu mettre un réservoir plus bas, mais de l'autre côté. Et là, je peux pas. Attends, tes tentes, là, y en a pas quelques-unes, là, où tu peux pas leur donner une fontaine? Vu la proximité du réservoir? Alors, je crois qu'elles pourront pas... C'est vrai que les fontaines, ça peut avoir une sacrée portée, quand même. Ça a une portée, notamment, sur le développement de tes maisons. Déjà, niveau prospérité, ça leur donne accès à de la nourriture saine, j'allais dire. De l'eau propre. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est tellement triste. Tu sais, c'est un peu comme ce que j'ai vu. Là, j'ai un projet, en fait, où je dois étudier les possibilités de métier du développement web.
Et en fait, bah, quand je vois les trucs complètement incroyables des développeurs et autres, j'ai l'impression d'avoir la même chose dans ce jeu, en fait. Bah, vous aurez juste un puits. Alors, en vérité, je devrais déplacer les maisons. Mais la fontaine, elle est à 3 km. Et les autres... Ah, mais tant qu'elles sont touchées par la zone de la fontaine, ça passe. Mais du coup, oui, ici, je devrais mettre les services. Donc, je peux mettre les maisons un peu n'importe où, là. N'importe où ailleurs, non, d'ailleurs. Je suis parti sur une autre fenêtre sur mon deuxième PC. Parce que oui, en plus d'avoir un problème logiciel, j'ai aussi un problème de mémoire. Ah oui, c'était parce que je voulais mettre une ferme au départ. Mon PC a Alzheimer, oui, tout à fait. Parce que j'ai l'impression que j'ai une barrette de RAM qui m'a lâché. ça fait plus au niveau... Je crois que c'est... Attends. Peut-être ouais, que je crois que c'est ça. Je crois que niveau longueur de route, je crois que c'est pareil. Oh punaise, je crois que je viens de mettre le doigt sur le problème que j'ai depuis des mois en fait. Ah ouais, cool. Enfin, cool que t'aies mis le doigt dessus, pas que t'aies un problème. Oui, parce que je viens de me rendre compte d'une chose en fait, c'est qu'en regardant ma facture et le DLC chez qui j'ai acheté du coup la RAM. Alors je parle du coup à toi, Kev, mais également à Quentin de l'autre côté en même temps. C'est que dans la facture, il n'y a qu'une seule barrette de RAM qui apparaît. Et cette barrette de RAM est de 16 gigas. Parce que là, ça va. Sauf que quand j'ai regardé sur mon PC le nombre de barrettes de RAM que j'avais, j'en ai deux. Dont une qui fait 16 gigas. Et quand je regarde les specs de mon PC, il ne me détecte que 16 gigas. Alors que j'en ai deux, dont une qui fait 16 gigas elle toute seule. D'accord. Donc je pense qu'il y en a une qui m'a lâché. Ah ouais, d'accord. Là, j'ai un problème, là. Ouais, j'ai pas pu. Je devais streamer sur Fall Guys saison 4 hier soir, j'ai pas pu, ça a planté. Parce que ma mémoire était bouffée par Streamlabs. Genre, ils ont pas d'eau, eux. Qu'est-ce qu'ils... Il y a de l'eau. Ah, il dit. Ah, oh non. Bah, si, il y a de l'eau. Oui, enfin, il y a de l'eau, mais et... pas pour ce derrière, quoi. Si, quand c'est un ensemble, il suffit que la maison. Suffit qu'un des carrés soit touché par de l'eau et c'est bon, tout le monde en a. Ah ouais, d'accord, ok. Mais bah du coup, c'est plus... ce sont plus eux, en fait, qui sont tristes parce que l'eau s'arrête juste devant chez eux. C'est genre... C'est pareil, les voisins, ils veulent pas partager. La tristesse. Donc le puits sera la solution. Mais alors du coup, là, je vois que t'as des carrés... Ah bah oui, un puits, ouais. Ça... Oui, le puits, ça peut suffire, c'est juste qu'ils vont être bloqués à un moment dans leur évolution. C'est ça qui va poser problème. Ah bah l'eau, des fois, c'est sujet à conflit, hein. Faut voir Mad Max, hein, c'est... Tout à fait. Peut-être faire un peu plus court pour les grands bâtiments. Mais même là, il n'y a pas beaucoup de place. Mais en vrai, je suis en train de me dire une chose, c'est qu'à l'époque romaine, du coup, ils avaient l'eau courante. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux pour qu'on ne l'ait plus, en fait, quoi? Ah. Il manquait les stations d'épuration en fait. Il se passe plus rien dans cette cité là, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de requête de l'emploi. À titre informatif. Envoyer un cadeau. Pouf. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Il est vexé. C'est non. Quoi? T'étais pas à 9? Possible. Comment ça remonte? Je comprends plus rien. Mais je pense que ça doit avoir un rapport avec le... Ah, la difficulté. Bah, je pense que la difficulté. Derrière la difficulté, effectivement, mais je pense que plus tu attends, plus ça remonte vite. J'imagine. Bah, moi, souvent, c'est... Enfin, après, t'es à 40 000 dinari, donc oui, ça aide. Mais je sais que dans certaines parties, moi, ça avait tendance plutôt à baisser très lentement, en fait. Allez, l'amour. Au bout d'un moment, il ne te demande plus rien, quoi. C'est-à-dire que tu nourris sa ville, alors que déjà, toi, t'es rien, t'es pauvre, t'es au plus bas de l'échelle. Lui, alors qu'il a une grande cité pour lui tout seul, hein, quand même. Hein. Mais bon, bref. Mais au bout d'un moment, il ne te demande plus rien. Il n'y a plus de requêtes, il n'y a que dalle. Donc, voilà. On va pousser un peu pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette cité, là. Bon, déjà, tu vois que niveau pognon, on a ce qu'il faut. Ouais, oui, bah là, tu peux te permettre de mettre des statues partout ce que tu veux, hein, je pense. Le pognon. Hein. Donc là... On veut pas de problème d'attrait, on veut également se divertir dans ce secteur.
Ouais, il y a besoin de divertissement là, je pense. Tu peux mettre un petit théâtre quelque part. Amphithéâtre, c'est plus pour plus tard. J'avais pas adapté la longueur de la route en conséquence. Ah non, d'accord, j'ai compris. C'est qu'il y a des, il y a de l'herbe. Là, tu peux peut-être même reculer ton mur là. Je le ferai peut-être. Oui, je devrais le faire. Chaque fois, oui, bah allez, cette fois-ci, incroyable. Ah oui, mais du coup, les loups, ça, c'est pas très roleplay, ils sont un peu coincés. Bah, bon, écoute, tant pis. Non, mais les loups se débrouillent très bien dans les montagnes, hein, avec les rochers. Hein, donc, bon, c'est bon, la carte qui est mal faite, on va dire. Tout à fait. 3, tac. Nous irons au bois, cueillir des cerises. Mais en vrai, oui, j'étais arrivé. C'est ça que je comprends pas. Cette map, je l'avais réussi du premier coup la première fois que je l'avais fait. Sûr. Ah oui, tire. Bah, bon, oui. Après, j'ai joué en difficile. Peut-être quand. Peut-être qu'en normal, j'aurais réussi à passer, mais. Bah, je vais tester. Voilà, tu vois, eux, ils sont bloqués tout de suite. Là, niveau évolution, ils sont bloqués à cause du puits. Ouais, bah oui. Et à cause de l'absence de fontaine. Si tu regardes la liste dans des titres possibles avant la fin du jeu, je crois que c'est dans la. Quand tu cliques sur l'onglet des conseillers et que tu regardes la liste des salaires possibles, j'étais à 4 missions de la fin, en fait. La dernière fois que j'avais joué à ce jeu avant de faire le stream dessus. Et je regrette, dans un sens, d'avoir fait un stream sur Kaiser 3 parce qu'au final. J'avais fait la run parfaite, quoi. J'avais pas. À part Miletus qui m'avait vraiment posé problème, je n'avais pas eu de soucis. C'est et il a que... fallu que je fasse pour que ça bug en fait. Donc, Pour l'amphithéâtre, il faut une école de théâtre et une école de gladiateurs, et ça, c'est des grands bâtiments, c'est du 3x3. Mais t'es sûr que. Il n'y a pas forcément besoin de la reconstruire à chaque fois, si ? Bah là, vu que c'est une zone isolée, si. Ah! Oui. Il faut une route pour envoyer les gladiateurs et les acteurs. C'est vrai que du coup, ça pourrait être un argument pour relier. Bah, c'est trop tard. Quoique, je peux mettre. Est-ce que je peux caser un corps de garde encore là ? À la prochaine, ouais, là. Bonne soirée. A plus. Merci d'être passé. Donc là, en vérité, je pourrais mettre des entrepôts là. Donc il y aura un entrepôt. En vérité, bah, déjà. Tu fais pour pivoter ? Ah, le corps de garde pivote tout seul. Ah, d'accord. Ouais, il pivote tout seul en fonction de la route. Si t'es déjà sur une route, il va peut-être pas trop bouger, mais par contre, si tu le mets un petit peu dans le vide, ça tend un petit peu, il va bouger tout seul. D'accord. Bah, le pauvre bourg qui venait à peine de s'installer. Voilà, il y a une maison à côté, il a qu'à recommencer. C'est vrai qu'ils sont pas très logiques, parce que des fois, ils ont des maisons juste à côté qui sont pas prises, mais ils vont aller chercher à l'autre bout de la ville. Pas de chômage, c'est une blague. J'avais réussi à trouver un bon équilibre au niveau de du besoin de main-d'œuvre et du chômage en vrai. Je vois déjà les ressources pour la suite. Et j'avais dit que je ferais pas un truc trop long dans Kaiser 3 et me voilà avoir dépassé genre 1h10. Je m'étais dit, ouais, une demi-heure pour parler vite fait de la carte, ça va suffire. Ouais. Bah tiens. C'est vrai qu'après, une fois là, que t'auras fini Kaiser 3 et que t'auras fini ton stream, je resterai peut-être un petit peu sur Discord justement pour te dire le truc que j'ai découvert sur Magicka, même du lore en règle générale. Je décollerai très vite derrière en fait, parce que déjà c'est le soir, j'ai la dalle honnêtement. Si ça te dérange pas, on verra ça une autre fois. Ok, pas de soucis, t'inquiète. Sinon je vais décéder. Bah ça se comprend, en même temps, t'as zappé le goûter là, il est 17h30. Oui en fait. Ils appellent goûter, exactement. Je comprends, j'étais dans le même état hier, j'ai cru que j'allais jamais rentrer chez moi. Alors, l'école, ça va faire quoi ? C'est quoi après l'école ? Elle fonctionne ou moins ? Ah, elle fonctionne pas tellement. Il y a des gens qui se sont installés, il y a pas de chômage en plus, qu'est-ce que... Ah, j'ai créé beaucoup d'emplois en même temps, quoi. Bah tiens, et tu veux de la main d'œuvre ? De la main d'œuvre, allez voilà. Et je suis sympa, vous avez de l'eau. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Cela explique ma ligne. La sous-nutrition, ouais. C'est vrai que beaucoup de gens enviraient mon ventre plat.
Ouais. Et les termes, c'est la prochaine étape. Ok. Whoops. J'avoue que j'aimerais bien retrouver mon poids d'antan, si tu peux y parler comme une vieille. Alors, il y a les termes, il y a l'école. Je crois qu'après, il faudra l'université quand même. De base, je suis censé être un peu plus au-dessus de toi au niveau poids. On fait la même taille, je suis censé avoir le même poids que toi, hein, mais bon. Mais moi, je suis, moi, si je perds encore 2 kilos, je suis en sous-poids. Hein. Je suis vraiment à la limite, voilà. Limite. Pour ma taille, apparemment, ouais. Le poids normal, bon, j'avais été voir sur internet, faut prendre ça avec des pincettes. Mon poids idéal, ce serait entre 50 et 65 kilos. Oui, je pèse 51. Ah, wow ! Ah, d'accord ! À une vraiment, à une époque où je me sentais mieux, je pesais 56. Vraiment, je pense que le minimum pour être à peu près bien dans ma peau, à peu près en forme, je dirais que c'est 53. Vraiment le minimum. Ouais. En dessous, bon. Je me sens moins bien. Mais c'est vrai que ces derniers temps... Mais moi, en vrai, j'avais perdu 6 kilos au premier confinement. Hein. 6 kilos. Mais bon. J'en ai gagné 10. Il faut impressionner les gens qui arrivent à la cité, donc je vais faire un truc. Ah, oh, tu leur fais, hein, je sais pas, une rangée de colisées. Il y a un truc, ouais, il y a un truc qui est un petit peu particulier quand même. Et c'est également le cas dans... Non, c'est que dans celui-là. On va faire pas mal de maisons. 1m60, c'est... Ah non, même pas la taille de maman, malheureusement, elle a perdu un peu de taille aussi. Un puits, et puits, et puits, le puits. Et puits, le puits. T'es sûr? T'es sûr de ce que tu fais? Oui, je veux de la main d'œuvre. Tu vois que là, il y a ce qu'il faut. C'est là que j'ai eu mes émeutes, en fait. Non, mais après, s'il y a trop de gens, je vais virer des maisons, c'est pas un problème. Ah oui, t'expulses comme ça. Ah oui, faut pas hésiter. Zach, je fais 1m65. Ouais, on fait la même taille, hein, c'est ce qui me semble. Tout le monde grossit pendant le confinement, mais pas moi. Ouais, mais en vrai, c'est ce que je disais, en mars 2020, moi j'avais perdu 6 kilos pour en regagner 10 6 mois plus tard. Quoi. On a un métabolisme assez avantageux en termes de pas gros, quoi. Mais c'est juste qu'on a un problème dans le sens inverse. Bah, moi j'avais un petit peu le même problème. Ouais, c'est vrai qu'il manque des bouts de route sur ton truc. J'ai fait exprès, c'est pour isoler la zone. Ah, d'accord, ok. Mais moi, je sais pas pourquoi. En fait, je prends vite et je perds vite. C'est vraiment à double tranchant, en fait. Je ne suis jamais d'accord avec moi-même. C'est tout ou rien, en fait. Mais ça va, je peux faire un hippodrome. Non, t'es sérieux? Par contre, tu le mets où, l'hippodrome? Ils sont gentils. Mais oui, c'est ça. C'est que je vois l'hippodrome et tout, mais tu le mets où sur cette map de... Hein? Ah bah là. Ouais, mais bon, il y a rien qui accède. Non, mais c'est infâme, voilà. Par contre. Je peux le mettre là, mais non, c'est infâme. Tu peux pas... Bah oui, non, mais c'est ça. C'est que c'est beaucoup trop près des habitations, quoi. C'est horrible. Ah. Alors, un truc un peu particulier, voilà, qu'il faut savoir quand même. Ouais, mais y a c'est que montage. Quand t'as des maisons qui te disent... il y a pas cette distraction dans le secteur. Tu vois, elles ont évolué. Elles me disaient juste avant, il y a pas assez de distraction dans le secteur. Et j'ai construit un colisée, mais qui pourtant est loin, quoi. Genre les PNJ qu'il génère, les gladiateurs et les lions. D'ailleurs, j'ai pas... Bah non, il est pas ouvert. Genre même quand il y a assez d'employés, ça fonctionne comme ça... D'accord. Ouais, donc il y a un truc assez important à savoir par rapport à ça. Ah, oups. Merde, pardon. Désolé. C'est que quand on te dit qu'il n'y a pas assez de distractions dans le secteur, eh ben, c'est pas forcément... Dans le secteur. Je sais pas si tu vois, faut aller voir du côté des conseillers, du côté de la couverture des moyens de loisirs. Et en fait, les maisons peuvent évoluer quand même s'il y a un petit peu de distraction et si la couverture de ta cité en termes de loisirs est suffisante. Donc il n'y a pas que avoir. Genre, toutes les maisons n'ont pas besoin forcément d'avoir un colisée juste à côté d'elles pour évoluer. Oui. Il faut que le niveau général de divertissement soit assez grand. Donc par exemple, bah là pour le colisée, c'est bon. Je vais en faire un deuxième d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dégagé un peu les routes. Non, c'est pas ça que je veux. Non, surtout pas. Tu vas y arriver. Un deuxième colisée. Même un... C'est le troisième. Colisée. Disais-je, un troisième. Vraiment, les reliefs sont infâmes sur cette carte.
je hais cette map justement pour ça, moi. Il y a des herbes, des rochers partout. Et, mais je sais pas s'il y a des lionnettes présents, mais c'est vraiment fait comme ça, Lyon, ou c'est... Peut-être pas, mais voilà. Parce que, bon, je sais que c'est on est dans le Rhône. Il y a du chômage. Il y a toujours pas de chômage. Toujours pas de chômage. Mais si on regarde le relief... Wow. Ah, mais il y a quand même pas mal de montagnes. Hein. Bibliothèque. Mais c'est un peu, je sais pas. La bibliothèque, la bibliothèque, la bibliothèque. Alors eux, c'est bête qu'il n'y ait pas de fontaine, quand même. Et je crois que c'est bête, il faudrait une case en plus et ce serait bon pour ces maisons-là, quoi. C'est rageant. Ouais, alors je crois aussi que les développeurs, ils ont un peu poussé fort l'influence du Rhône du côté de Lyon. Mais attends, je regarde un truc, est-ce que je pourrais pas bouger le réservoir? Si je peux vous le monter d'une case. Alors par contre, si tu bouges le réservoir, je te conseille d'aller en vitesse moindre, mais moins. Oui, moins. Je suis d'accord, je suis d'accord. Faudrait que je le colle dans le coin, là. Et du au coup, pire, pourrais... tu arrêtes le courant, tu mets tout ça à zéro, comme ça, t'es sûr que... Genre... Mais je crois qu'on peut pas aller jusqu'à zéro. Ok. Ok. Oh là là, oh là là là. Quel maître. Dans le pire des cas, c'est... Ouais, dans le pire... ouais, non, c'est... pour ces maisons-là, on s'en fout, mais c'est pour ces maisons-là que ça peut poser problème. Réservoir. Et oui, parce que même quand tu supprimes un bâtiment, c'est en ralenti. Oui, bah oui. C'est ça qui est... c'est le... Ah, mais je crois que tu peux pas aller plus profondément, en fait. Je crois que si, hein. Si, si. Ah. Ça... Non, si, ces trois cases-là, c'est l'ancien réservoir. Ah non, ah oui, d'accord. Ah, le rocher. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Vraiment. Parce que c'est vrai que des fois, c'est ouais, c'est bâtard, si je peux dire. Je pensais que c'était bon. Non. J'aurais dû faire le tour pour voir s'il y avait un rocher. Ce petit rocher, je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès. En vérité, si j'avais été... Non mais je suis trop... J'ai qu'à décaler les maisons, je suis bête. Genre ma route, tu vois, elle passe là. J'ai qu'à la faire passer comme ça. Oui. Et du coup, les maisons, bon, je les dégage tout de suite, mais... Du coup, les maisons, je les mets vraiment 4 par 4. Et là, c'est bon, c'est gagné. Ah, attends, j'écris juste un truc. Débellus. Je suis un débellus. Du coup, eux, non, c'est pas possible. D'accord. Est-ce qu'on finit la phrase ? Je vais bien dormir ce soir. Ah, les puits, c'est beau. Et la maison qui évolue en vitesse grand max. Ah, et là, on a un problème d'attrait. Oui, alors ça, ouais, c'est à chaque fois, t'as toujours un tout truc qui a du mal à... Alors, ce qu'on veut faire, dans ce cas-là, c'est par exemple mettre un oracle, ça arrange l'attrait. Ouais. Tout ce qui est religieux, ça arrange l'attrait. Ouais, par contre, je t'avoue que, du coup, pour ne pas avoir l'influence des dieux, je vais bourrer les oracles, hein, je vais mettre que ça. Alors, les meubles. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je crois que tant qu'il n'y a personne qui n'en achète... De quoi donc, pardon, j'ai pas entendu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je crois que, genre, si t'as des meubles et de la poterie dans tes marchés, mm-hmm. ils ne vont en vendre qu'aux maisons qui en ont besoin tout de suite pour évoluer, je crois. J'ai l'impression, parce que du coup, les maisons avaient pas de meubles, là elles en ont. Il faut un barbier, ça c'est hyper simple. En vérité, on va le mettre juste à côté, le barbier, pour être sûr. Et donc là, on devrait avoir des grandes maisons, je pense. Non, c'est, on va aller jusqu'aux insulas, je crois. Ça, c'est quoi? Insula moyenne. Je crois que ça devrait être une grande insula. Et après, je crois qu'il faut un deuxième type de nourriture. Donc ça, après, c'est plus complexe. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a avec la population, là? Qu'est-ce qui se passe? Il faut 292 employés. Oh, la catastrophe. Oh là là. Alors là, oui, ça fait... ça fait mal, là. Cette cité a besoin d'ouvriers. Bah oui, cette cité a besoin d'ouvriers, je suis d'accord. Prends mince, il répète tout. Ah ouais, non mais ça c'est un problème. Je vais finir par faire travailler mon lion. Il y a eu un bug comme ça, moi dans la version Steam. Ils vont tomber malades. C'est une mise à jour du jeu en fait. Ils vont tomber malades, il faut. Avant j'avais pas ce problème là.
En fait, tu peux repérer ça à la musique. Je sais pas si t'as mis fort à la musique ou pas, mais dès que tu vois la musique qui fait une boucle, dès que tu l'entends, faut surtout pas cliquer sur les personnages parce que du coup, là, après, ça devient insupportable. Attends. Ah oui. Oui, même la musique boucle, ouais, c'est vrai. C'est... Ouais, c'est infâme. C'est pénible de devoir... Et je l'ai souvent en plus, ce bug. Ouais, mais c'est, je pense que c'est un bug... bon, voilà, un bug inhérent au jeu. Et jusqu'à présent, j'ai pas vraiment trouvé comment... Enfin, à part redémarrer, j'ai pas trouvé comment faire, quoi. Alors, est-ce qu'on va accélérer un petit peu parce que, voilà, je m'étais dit, ouais. Ouais, 17h maximum, j'ai fini. Ouais. Bah non. Ouais. Si, je pense que ça doit être patché dans les modes. Oui, potentiellement. Alors, juste pour expliquer, justement, bah, qu'il y a un patch ça, téléchargeable quelque part. Alors là, c'est le jeu que t'as eu en abandonware, ça t'as aucune modification dessus. Oui. Divertissement, ils sont sérieux. Voilà, alors juste pour expliquer le truc des patchs, ce bug-là, je l'ai aussi, alors que j'avais un patch FR plus HD, qui était compris dedans. Après, peut-être qu'avec des mods, ça existe, mais c'est vrai qu'en soi, en recherchant, je n'ai rien trouvé à ce sujet pour avoir un patch son qui empêche justement ce petit problème. Et je sais même pas comment ça se fait, je pense que c'est quand il y a peut-être... Non mais sans blague. Ok. Mais ils me disent qu'il n'y a pas assez de divertissement, bah je mets du divertissement. Visiblement, la puissance romaine n'est pas assez visible aux yeux des autochtones, on va dire. Enfin, Attends, faut faire gaffe, attends, il y a un truc. Mais ouais, pour l'instant, pour les maisons pas fusionnées. ils ont tous joué solo, quoi. C'est infâme. Chacun pour soi, rien à foutre. C'est le seul moyen pour que tout le monde ait de l'eau. Fusionner, je vous en supplie. En tout cas, pour celle-là. Fusionner. Oh bah, ils sont tous barrés. T'as peut-être besoin de quelques fermes, je pense. Il y en a déjà 4 de ce côté. C'est vrai que c'est chaud quand même. Bah là, oui, parce que t'es. Ah, attends. Ta population qui est quand même à presque 7000. Hein. Enfin, qui est soit déjà à 7000. Ah, eux, ça marche pas non plus. 7000 de peau. L'objectif, oui, c'est 5000. Voilà. Non, mais c'est horrible. Mais ils ont refait. Ils ont refait pareil, hein. Ils ont fait 8 maisons individuelles. On va en faire 4 et on va en refaire 4 derrière. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça là. Bon, alors le divertissement là, c'est bon ou pas? Ici, je vais mettre un théâtre. Ah, mais il faut des actes. Ouais, non, c'est bon. T'as un épisode comme ça des Shadocks où les Shadocks sont obligés de ne plus travailler. Trop marrant. Il y a des usines à le dire. Mais maintenant j'ai mis un théâtre donc j'ai plus besoin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ils perdent l'accès à l'école, mais comment c'est possible? Bah elle est où l'école? Bah ouais, pourtant ils font le tour les L'école les enfants, est là, bah oui, ils font le tour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que... Quoi? Ils mais ont ça, plus de nourriture. Ça c'est le fameux quartier où... Qu'est-ce que ça mange? Il y a déjà des maisons évoluées. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. C'est. Oui, c'est. J'ai comme une impression de déjà vu, tu c'est vois là. En vérité, non, mais ça c'est pour la. Ouais. Même les écoles que t'as mises au pif, elles sont utiles. Ouais. C'est terrible. Là, il n'y a pas de bâtiment inutile. Là, en vérité... Ah merde, j'avais déjà 2 colisées. En vérité, c'est le 4e que j'ai fait, là. Vous êtes sérieux? Ah oui, que je comptais, moi. 5 5 Et ouais, c'est pour ça que je te disais. Ah, bah, visiblement, la puissance romaine n'est pas assez visible du point de vue des autochtones. C'est pour ça, parce que je me disais, mais la vache, quoi. Allez, des théâtres partout. Cultivez-vous, bande de manants. Il faut de la main d'œuvre. Attendez, je vais vous en donner de la main d'œuvre. Mais tu vois, le piège en fait, c'est que t'as besoin de main d'œuvre, mais que derrière t'as aussi besoin de bâtiments. Mais du j'ai coup, t'es dans un. Mais attends, comment je fais pour pas avoir de chômage avec autant d'habitants? Oui,
Moi qui... Parce qu'à un moment, j'étais en galère. Je me disais, mince, mais comment je vais faire pour trouver du travail pour tout le monde? Et bam. Ouais, mais... Des fois, c'est l'effet inverse que ça fait. C'est infâme. C'est juste infâme. C'est horrible. On s'en fout, c'est un être humain, monsieur. Quoi? Quel être humain? Non, mais parce qu'en fait, à chaque fois que je dis le mot infâme, Quentin me répond, perdu, c'est un homme. Ah ah ah. J'avoue, c'est rigolo. Et c'est une blague de merde, tout à fait. Le compteur blague de merde, je pense que sur mon stream, on devrait en faire, parce que... hier, avec Benoît, on s'en est donné à cœur joie. Voilà. Finalement, j'ai mis deux tabs plus tôt que prévu, et en fait, y a les jeux de mots de merde, bah ça... ça y allait, quoi. Je crois qu'il y a des maisons qui n'ont pas d'eau. Si, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment moche ce que je fais. Mais en fait, tu vois, je me suis retrouvé confronté à ce problème-là, mais beaucoup plus tôt que ça. Ah, on bourrine en fait. Ouais, parce qu'en plus, il faut quoi? Genre 300 employés, c'est ça? 232, ouais, quand même. Ouais, je crois quelque chose dans le genre. Ça reste beaucoup. Mais surtout aussi, du coup, à force de vouloir recruter, tu tombes sur des quartiers, tu mets des maisons qui sont moches au premier abord, ce qui fait que même l'indice de prospérité baisse. Bah oui. Du coup, c'est un cercle infernal. Est-ce que maintenant tu arrives à comprendre un tout petit peu mieux, bon, mis à part les quelques endroits, enfin les quelques trucs que je n'ai pas fait comme tu as fait, bien sûr. Est-ce que tu arrives à comprendre maintenant dans quelle galère, en fait, je me retrouve depuis des mois? Et aussi, les gens sont relous, parce que à chaque fois que t'as une maison, enfin une tente à côté de leur belle maison, ils sont en mode « Non, on veut pas évoluer. Non, on veut des jardins. » Ça, c'est les abrutis qui ne veulent pas être ouverts d'esprit, en fait. C'est ça, ils ont oublié qu'ils ont été débutants un jour et qu'ils ont, monté les échelons depuis le plus bas du bas. Tenez, des jardins. Ils sont beaux, mes jardins. Des jardins partout. Et c'est là que tu vois que cette carte est horrible, parce qu'en fait, t'as plein de trucs qui ressemblent à des hautes arbres que tu pourrais virer, mais c'en est pas. Oui, et même là, tu vois, juste par dépit, je serais prête à créer un mode avec des guirlandes de Noël juste pour pouvoir décorer les rochers. Et le divertissement va pas. En fait... Il y a des colisées partout. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait ? Et tu sais ce qui serait bien aussi pour augmenter l'attrait de la cité, c'est... Enfin, pardon, la couverture de la cité par les lieux de loisirs, bah c'est justement virer des gens. Parce que t'aurais moins de gens à divertir. Bah oui, mais bon, vu ta population, en vrai, tu t'en fous un peu, en fait. Oh la vache. Mais le problème, c'est qu'au niveau main-d'oeuvre, non, ça va baisser aussi. Et la prospérité, on est à 22, on n'a pas progressé depuis tout à l'heure. Et la faveur, ça dégringole en boucle. Même si tu mets des plazas, des statues et tout, c'est... 36... Surtout au niveau des denrées, de poterie, d'huile 41. Et de meubles aussi, que ça se joue. Donc ça va être que 43, c'est ça? 44. Ou alors tu fais un don à la cité, je sais pas si ça augmente ta prospérité. Je pense pas. Niveau finance. Ah oui, je dépensais un petit peu d'argent, effectivement. Ah, la musique... Oui, voilà. Ah mince, t'étais dessus. Je crois que la musique boucle, oui. Parce que tu as les salaires, quand tu regardes les salaires enfin ton salaire, le montant en dinari de ton salaire, cliques dessus, tu peux avoir la liste. Oui, tout à fait. Voilà, des statuts que tu auras potentiellement après et ceux que tu as eu avant. Donc moi je suis procureur. T'es procureur, bon, aussi pareil. Mais du coup, j'étais édile et j'allais devenir prêteur. Donc j'ai réussi à faire cette map. Mais, voilà. Il n'y a qu'une mission par statut dans Kaisar 3. Parce que je sais que dans Pharaon, c'est pas forcément le cas. Ah oui? Je sais pas, il y a combien de rangs d'ailleurs? Parce que dans Pharaon, il y a une cinquantaine de missions, je crois. Ouais, mais dans Kaisar, justement. Oh, pardon, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La campagne serait aussi courte que ça? Visiblement. Après, les missions sont beaucoup plus longues à réaliser que dans Pharaon, quand même. Pharaon, très vite, tu peux faire une cité qui roule tellement bien, mais dans Kaisar, t'as très vite beaucoup de contraintes. Et beaucoup d'objectifs différents, enfin beaucoup d'objectifs très exigeants. Et je crois que je vais finir par l'installer, ton mode là, Augustus, parce que je sens que ça va me simplifier la vie. Il fait plein de trucs très bien et très beaux d'ailleurs.
Bon, bah j'essaierai. Et j'espère que ça m'enlèvera ce bug de son, du coup, parce que c'est vrai que pour l'instant, comme je disais à Gigilou, je n'ai pas trouvé de solution. Quoi. Parce que du coup, t'as les barrages routiers qui sont dedans, t'as même de nouveaux monuments, je crois. Donc tu peux construire des espèces de grands temples, mais pas les grands temples du jeu, mais vraiment des trucs que tu construis avec du marbre, un petit peu comme les monuments dans Pharaon. C'est peut-être un mode qui est plus récent, ça, par contre. C'est peut-être pas Augustus. Augustus, je crois qu'essentiellement, c'est résolution HD, ouais. Barrage routier, peut-être gestion des entrepôts et tout ça, et il y a autre chose. Tu peux zoomer et dézoomer la carte. Oh la vache, ça c'est... Ça c'est trop bien. Bon. Ça c'est trop cool, parce que c'est vrai que c'est un truc qui manquait énormément aussi dans ce jeu. Quoi. Enfin, surtout les barrages routiers. Quoi, parce et là, que il faut de l'huile. Mais moi, ce que j'adore, c'est l'engouement que maman a pour mes streams sur Kaisar 3. Moi, dans ma tête, ça sonne pas forcément très très bien. Mais alors, elle trouve ça génial. Et du coup, des fois, je suis en mode, ouais, enfin, j'ai fait un peu de merde. Voilà, je suis pas forcément très très doué. Elle me dit, ouais, bravo et tout. C'est l'encouragement. Alors que dans ma tête, c'est pas du tout la même chose. Donc, je pense qu'au stade où j'en suis, ce serait mieux pour moi de recommencer la cité parce que ce serait trop galère de tout réorganiser. Typiquement, ouais, bah ouais, faire des maisons tout là-haut, ça m'a pas l'air d'être super top parce que t'es très serré, c'est compliqué. Et finalement. Oui. Et en fait, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement tourné en rond parce que il me faut des maisons prospères. Donc il me faut plein de services ici, donc j'ai mis plein de services. Ah, mais il me faut de la main-d'œuvre, donc il y a plein de maisons pourries. Et donc en fait, niveau prospérité, j'ai plein de belles maisons ici, il y a encore plus de maisons pourries partout, ce qui fait que ça descend la popularité en flèche, la prospérité en flèche. Mais donc il n'y a rien qui va. La seule tente qui persiste dans sa structure de tente derrière les gros apparts, quoi, c'est... Il n'y a rien qui va. Sinon, il y a un truc que je pourrais... En vrai, il y a des zones de la cité qui servent à rien. Alors, pas casser les aqueducs. On va faire un test. Faisons un test. Oula. Alors. Dégagez. Barrez-vous. Oh la vache! Barrez-vous. Oh, ah oui, c'est... Ah oui! Ah oui, le culot! En plus, eux, ils mangeaient, donc c'était encore pire que tout. Bon, bah... Rip, hein. Oh! Ah oui! Bon, je suis désolé, je suis en décalage, du coup, par rapport à ce que tu fais, mais oh la vache! Sans vérité, on peut récupérer quelques employés là-dessus, je pense. Les soins... Ah oui, t'avais quand même 1000 personnes rien que là-dedans, quoi. Et quand même. Ah ouais. Quand même. Comment il faisait? Alors du coup, je pense que je peux virer ce côté-là aussi. Besoin de main-d'œuvre, je parie, n'est-ce pas? Ah non, mais en fait, si, j'ai compris comment ils font, potentiellement. C'est horrible. Mais même quand tu vois... J'ai expulsé 1500 personnes. C'est horrible. Je suis un tyran. Mais pourquoi je rigole en plus? Et le pire, c'est que la cité n'a besoin que de 88 employés. C'est sérieux, ça? Quoi? Attends, mais ça influence vraiment? Oh. Bah, en fait, j'ai viré 7 emplois, quoi. Mais ça fait beaucoup de maisons, mais ça fait pas tant de personnes que ça, finalement. Bon, après, il y a le petit quartier en haut qui était avec des... Bah non, les maisons avaient régressé depuis longtemps. C'était pas un handicap copropriété, en vrai, hein, parce que là, je pense que t'aurais eu des émeutes partout dans la ville. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Les meubles, j'ai peur de virer trop d'industrie, mais on va essayer de récupérer un petit peu. Poterie, j'ai un peu peur aussi. Bon, poterie, on en produit beaucoup plus. Poterie, tu as une petite marge de manœuvre, même si c'est vrai qu'en règle générale, je les supprime pas trop les poteries, parce que c'est une denrée qui t'assure quand même des revenus, même sur au niveau du commerce, non seulement ça aide à avoir un petit pécule, tu vois, quand les commerçants arrivent et qu'ils ont déjà tout acheté. Mais aussi ça t'aide à avoir, je trouve, je sais pas, c'est une denrée qui a un parfait équilibre entre la richesse que tu peux avoir grâce au commerce, mais également la prospérité que tu peux avoir sur ta population. Le jeu qui a réalisé 3 heures en retard, qui me manquait de main d'œuvre. C'est déjà en train de supprimer des industries qui me dit, ah au fait, il manque des gens. Bon là en vérité, là j'ai fait une zone où les gens avaient le droit de boire, d'être soignés et de payer des impôts. J'ai mis un forum. Il paye au moins. Il paye, mais il paye que dalle. Allez, ça dégage. Ça aussi, ça dégage. Oh non, mais c'est horrible.
non. Voilà. Bon. Du temps des six médiévales qui avaient été bienveillants. Bah oui, mais c'est ça, vrai, c'était j'étais tellement gentil. Il y a même du chômage maintenant, c'est incroyable. Comme quoi, il y avait. En fait, il y avait tout ça qui servait à rien. Mais c'est vrai, ta série des six médiévales, faudrait que je la re-revoie parce que ça fait trop longtemps que je t'ai vu. J'ai envie d'en refaire une. Y a du multi là-dessus ou pas? Malheureusement, non. Mais, mais le jeu est très sympa et je pense que rejouer, ce serait cool. En plus, ça fait un moment que je l'ai faite, cette série-là. Et pour de très vieilles séries, je pense que je vais les refaire. C'est quasiment sûr que je vais en refaire d'autres. C'est vrai que t'es passé par Outlast, j'avais oublié ça. J'ai fait que le 2, j'ai aussi le premier, faudrait que... Ah tiens, je pourrais le faire aussi. Oh, je le trouve horrible. Alors psychologiquement, alors, Outlast 2, alors... C'est trop marrant quand tu regardes la série. Parce que y a deux trucs qui sont trop marrants. L'un des deux, c'est que je suis d'une mauvaise foi terrible. Je fais genre, ouais, le jeu il est bof, il y a plein de jumpscares trop faciles, l'ambiance est trop glauque et tout. Alors qu'en fait, intérieurement, je flippais quoi. C'était ma façon de me défendre. Ah oui, c'était ton mécanisme de défense. C'était mon mécanisme de protection. C'est en mode, j'aime pas le jeu de toute façon, c'est naze. Alors que j'arrêtais pas de sursauter. Et il y avait un deuxième truc, c'est que quand tu trouves des messages. C'est un jeu qui est très mature et du coup les textes que tu lis c'est très ça peut être très trash des fois je censurais quoi limite ce que je lisais parce que c'était très cru quoi, j'étais en mode je faisais genre je lisais rapidement quoi pour pas avoir à lire des trucs trop trash quoi. Ouais, parce que j'étais en mode, ouais, mais si YouTube détecte qu'il y a trop de trucs chauds, quoi, ouais. La monétisation, aussi, ouais, tout ça. C'est pour ça que tout ce qui est cyberpunk, par exemple, moi je le mettais, le stream était forcément en 18+, déjà. C'est bizarre. Comme ça, il n'y avait pas de lézard. Mais alors, par contre, le problème, c'est que des fois, quand tu mets des trucs en 18+, bah quand toi tu reviens sur Twitch et que tu regardes les chaînes qui te sont recommandées, comment dire tu tombes sur des trucs que tu ne pensais pas trouver sur Twitch, en fait. Et Kourou de Cérès, ah ça c'est mauvais ça. Ouais. Bah oui, j'ai enlevé plein d'oracles. Oh là. Ok, stop. Stop. Bravo. Heureusement qu'on a beaucoup de marbre. Mais ouais, concernant les trucs d'horreur, moi j'avoue que tout ce qui est trash, par contre, moi ça me saoule en fait. Ça me fait rien du tout. Dans le sens où moi j'aime plutôt l'aspect un peu psychologique, tu vois, de ce que l'on appelle les films d'horreur. Comme La Dame en Noir, par exemple. C'est un film de paranormal que j'adore, parce qu'il est à la fois... Bon, c'est un film d'horreur. Et c'est un film d'horreur, t'as pas de jumpscare ou quoi que ce soit. C'est juste un film avec des détails que tu revois... Enfin, que t'as pas forcément vu sur le moment, mais que tu revois une fois que tu revisionnes le film, et l'ambiance en elle-même, bah, tu sens la pression monter au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait justement l'angoisse de ce film... Qui est super bien fait et l'histoire, le back, enfin comment dire, le background. Lore. J'ai plus de background. Voilà, j'ai plus de marbre. Était super. À tel point que quand j'ai vu La Dame en Noir 2, j'ai fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que franchement, tout le lore magnifique et à la fois horrifique, sombre mais poétique du premier, s'était complètement noyé et a été oublié dans le 2. Ça n'avait aucun sens. Et du chômage. Enfin bref. Le jeu a fait comme le dernier Tomb Raider en date au niveau des films. J'en suis ressorti révolté en fait. Alors, j'ai plus de marbre, donc les oracles, c'est un peu raté. Ça coûte pas cher, mais ça demande quand même. Dépêchez-vous, on est un peu dans la mouise. On va se prendre 15 malédictions sur le coin de la tronche, ça va me faire bizarre. Mince, ils m'ont acheté le marbre. Arrêtez! C'est pour ça que je t'avais dit qu'il fallait faire gaffe quand tu supprimais des carrières de marbre. Ah non, mais le problème c'est pas les carrières de marbre, le problème ce sont les temples et les oracles. Mais justement, parce que le marbre, une fois que tu arrêtes certaines carrières, tu sais pas pourquoi il se met à fondre comme neige au soleil en fait. Bah là, c'est que j'ai. Ouais. C'est bon, les dieux, ils sont un peu énervés, mais ça va. Ça, on en a juste assez, tiens. Autre détail, bon. Là, par rapport à l'interface de Kaiser 3, je fais juste un aparté, mais ton écriture est en noir, alors que moi je l'ai en blanc dans les. Tu sais, dans les encadrés quand ils te disent il te manque tant d'unités de marbre pour faire ton oracle, etc. Ah oui, bah je sais pas du tout à quoi c'est dû. Bah c'est peut-être ton patch. Hein.
Ah oui, je pense aussi, parce qu'effectivement... Alors oui, ça va faire comme toi, là, je vais avoir l'affichage, si tu veux, de... des patchs, etc. Le truc, c'est que moi, le patch HD, il m'a posé quelques soucis à cause de mon écran, en fait. Fallait vraiment que je garde en tête à la fois la résolution de mon écran, mais la résolution que je voulais dans le jeu. Sinon, après, ça me faisait des écritures microscopiques, illisibles. Savais-tu que quand on plaçait un réservoir, on pouvait cliquer et maintenir pour placer un autre réservoir avec un aqueduc approprié? Oh, non. Et ben voilà, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Oh la vache, c'est tellement plus pratique. Bon, après, ça se fait automatiquement, donc c'est pas non plus, infaillible à 100%, mais c'est pas mal. C'est moins galère quand même que de te faire suer, en fait, à faire l'aqueduc à la main, entre guillemets, si je puis dire. Ouais. Supposer qu'on fait un aqueduc à la main. Ok. Bon, on va voir un petit peu comment évoluent ces maisons-là et comment évolue la prospérité de ma cité. On n'est qu'à 29. Hein. C'est compliqué, hein. C'est combien déjà qu'il faut, excuse-moi, parce que moi, du coup, je suis en décalage. 50. 50. Ouais, et du coup, la culture a chuté parce que j'ai supprimé plein de bâtiments. Et pourtant, la couverture est pas si mal. Hein. C'est... Ouais, mais et la culture, en plus, ça rentre dans ton score de prospérité. Ah non, c'est... Bah non, je suis bête. Non, j'ai rien dit. Le truc, c'est qu'il faut assez d'écoles, assez de bibliothèques, assez d'universités, assez de théâtre, tout ça. C'est compliqué. J'ai un principe, c'est un quartier, une bibliothèque, une école. C'est pas tout à fait assez. Hein. Non, ils ont tous au moins l'un des deux, mais la couverture, ça ne suffit pas pour toute la cité. Comment tu fais que t'as deux bibliothèques l'une à côté de l'autre? C'était pour augmenter le niveau de culture, justement. Ah ouais? Non mais ouais, y a... C'est peut-être gagnable dans cette configuration-là, mais ça m'a l'air chaud quand même. Ça va durer des plombes, je pense, surtout. Ça va durer des plombes, ouais. Je pense que ce serait limite plus simple pour moi de recommencer une partie en baissant la difficulté. Et moi, c'est ce que j'ai peut-être envie de faire en vrai, hein, pour juste pour cette map-là, juste pour pouvoir la passer, parce que voilà quoi. Je crois que j'ai dû perdre 6 épisodes, 6 replays à persister dans une difficulté qui au final me convenait peut-être pas pour cette map, alors que je me souviens pas avoir galéré. Quoi. Ah oui, il y a le problème du réservoir aussi. Peut-être que je pourrais l'éloigner. Parce que mine de rien, les réservoirs, c'est vrai que c'est pas top. Oh là, incroyable. Et si je mets des jardins derrière le mur, je pense que ça marche niveau attrait. Oui, j'ai failli m'étouffer. T'as aspiré ta salive. Non, tu sais, c'est l'espèce de d'air que t'aspires directement, t'as l'impression de t'étouffer avec de l'air. Tu vois, c'est... Et oui, les corps de garde, voilà, on a eu le problème. Il y a une maison qui m'a dit, je veux pas évoluer. Ah non, mais si douillet, on dirait mon chat. Et puis après, il y en a, ils disent, ouais, mais mon voisin, il a une maison pourrie. Je veux pas évoluer. Faites évoluer ce sous-homme, s'il vous plaît. Je mets des jardins partout. Les indigènes, tu sais, ils sont tranquilles dans leur maison la nuit. Et le lendemain matin, il revient, il y a plein de champs de fleurs tout autour de sa maison. Il sait pas comment c'est arrivé là. De plier devant leur porte, ils comprennent rien. Ça marche pas, quoi, corps de garde. Je crois que les statues, ça a plus d'attrait, par contre. Bah, et si tu le peins? S'il y avait possibilité de le peindre, est-ce que ça changerait quelque chose? Là c'est bon, allez, ok. Allez, ok, la petite maison. Donc on a des insulas. Moyenne, ça aide, ouais, en effet. Alors ça, c'est pas gênant. Eux, faudrait les faire évoluer. Putain, j'ai eu un bug, j'ai cru streamer ce soir, mais en fait non, pas du tout. Bah, comment ça, ils ont pas accès à une école? Tu tiges deux, moi. Non, mais... Des fois, faut pas chercher. Bah, et eux, oui, ils ont accès à une école. Il y a plus de place. Ah. Alors, je peux faire un truc. Deuxième école. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas assez de... Ah oui, la nourriture, ouais, c'est vrai que c'est un problème encore dans ce secteur-là. Mais je peux pas virer les gens au pif, là. Quoi, il y a encore ça? Il y a encore ça. Faut que je vire ça. C'est moche. Puis ça, là, c'est moche aussi.
En fait, plus il y a de maisons pourries, pire c'est. Oh là 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 là, trop de questions. Chômage. Prospérité, on est à 30 quand même. Donc on a un petit peu gagné. Moi j'ai pas réussi à excéder 27. Le chômage touche 1%. C'est peu. Ça va. Il y a 26 personnes qui bossent pas. Donc je peux virer. Je peux virer. Again. Oh. Le gouverneur, passe dans les rues, tu sais, t'as tout le monde qui ferme les volets et les portes. Il tremble de peur. Et là, tu fais coucou par la fenêtre. Vous, là, dégagez. On va tout casser. Je suis désolé, mais en fait, ce que tu fais, ça me fait trop penser à comment réagit la mairie de Rennes face à la destruction de certains bâtiments, en fait. C'est... Et tout ce qu'il trouve à dire, en fait, c'est « Oui, mais c'est pour éviter de trop mordre sur les champs. » Tu fais « Oui, certes, mais quel pourcentage de vos logements déjà présents ne sont pas occupés ?» Mais le problème qui est... En vrai, on a un surplus de nourriture, je pourrais même supprimer des fermes, je pense. Ah, quoique... Il y a un petit grenier qui est vide, là. Ah, mais c'est lui qui est rempli en premier, je crois. Ouais. Le grand vide au milieu de la ville et tout le monde autour. Tristesse. Sad face. C'est seulement 6 employés. Je pourrais supprimer quelques fermes, mais j'ai un peu peur, quand même. Bon, cela dit, eux, ils sont bien nourris. J'avoue que les fermes, là, j'oserais pas trop... Alors, eux, avec un grenier, ça se passe très bien, d'ailleurs. C'est assez impressionnant. J'avoue que j'oserais pas trop toucher à ces... Les fermes, c'est 10 employés. Pour 2 fermes supprimées, je peux détruire 2 maisons comme ça. Ah non, une seule, une grande tanche. Quoi sera ça ? Oh ouais, pour aller, admettons, un colisée, on peut déjà détruire un quartier entier. Ça fera suffisamment de place. J'aime bien, tu convoques tes conseillers et tu fais « Bon, bah on va casser des maisons. On commence par où ?» Ah non, Kev, t'as aucune formation d'urbanisme en plus. Non, en plus, non. Ah non, 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 je suis un tyran, c'est tout. Hey, 74 chômeurs, c'est cool ça. Alors, qui est-ce qu'on peut virer? Le mec, il fait un ratio des bâtiments. Puis après, il dit non, je suis un tyran. Et il renchérit en disant oh, 74% de chômage, mais c'est cool ça. C'est comment... comment ne pas t'enfoncer encore un peu plus Alors, je me trompe peut-être, mais. Peut-être que. Attends. Là, il faudrait un gif de Get No, de Kaamelott. Les employés au service des eaux, 104. Je supprime une fontaine. Eh ouais. Oh là. Les fontaines, hein, ça demande des employés. Bah oui. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi tu les avais pas supprimés, en fait. Oui, mais c'est pas évident parce que la fontaine elle-même te dit pas le puits. Je suis sûr que le puits, c'est pareil. Oh oui. Oh oui. Et ouais, c'est dingue, faut vraiment optimiser ça à fond. Hein. Service des eaux 96. C'est ça. Toujours 96 des eaux. 96 toujours. Si je peux renchérir sur une référence Kaamelott, en fait, faudrait que tu commences à considérer tes sujets en tant que tels. Voilà. Point. Quoi, genre les respecter? Non mais en fait, il y a un épisode quasiment entier sur Perceval qui en fait comprend pas grand chose en fait au français en règle générale. Enfin, il fait des fautes de grammaire absolument énormes. Et en fait, il utilise des phrases qu'il comprend pas forcément pour exprimer ses sentiments. Et en fait, à un moment donné, il dit au roi « Il faudrait que vous commenciez à me considérer en tant que tel ». Le problème, c'est que bah, Arthur, il fait « Ouais, non mais tu parles de quoi, en fait tu me dis ça comme ça, mais en tant que tel, quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Et Perceval, il persiste en disant « Faut que vous commenciez à me considérer en tant que tel. » Voilà. Il y a tout un épisode comme ça où bref, le mec, il se monte le chou. Et voilà, juste à cause du mot « révolution », qui était parti sur le révolte de Getno. Le fameux « C'est pas faux ». Voilà, le fameux « C'est pas faux », exactement, ça vient de là aussi. Alors, les réservoirs ne demandent pas d'employés pour le service des eaux. Ah bon? Non, il y a que les fontaines. Mais c'est pas logique. Je pense que mes fontaines, je les ai plutôt bien placées en règle générale.
Mais ça, c'est un truc qui est assez important à savoir, effectivement. Ah, c'est pour ça que quand tu mets des fontaines, des fois, ils te disent la cité manque de main-d'œuvre. D'accord. Ça a du sens. Mais je pense que mes fontaines, je les place plutôt bien en général. À moins que. C'est là, je crois que j'avais pas le choix. Les fontaines, c'est un carré de 9 cases. Le puits, c'est 5. Enfin, un carré de. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, 9 cases de longueur, bien sûr. Je crois. Non, attends. What ? Tu vas y arriver. Non, ça fait que. Oui, d'accord, pardon. Oui. Carré de 7 x 7 pour les fontaines. Carré 7 x 7. Oh. Et en les fait, puits, c'est 5 x 5. Bon, écoute, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé largement ce que je voulais faire. La vache, j'avoue, il est déjà 6 heures. Il faut que je mange, j'ai trop faim. Puis voilà, il y a la frangine qui est rentrée, elle a bossé aujourd'hui à la bibliothèque universitaire. Vrai, du coup, bah, faudrait que je la voie un peu quand même, quoi. Voilà, genre, salut, ta journée, c'était bien, tout ça. Ouais, 9 cases d'eau pour une fontaine, c'est vrai que ça fait bon. Bah, ouais, mais bon. Je crois que c'est. Non, fontaine, je crois que c'est. Je crois que c'est seulement 7. Dans ma tête c'était 9, mais il me semble que c'est que 7. Bah attends, on va faire le test. Un, deux, trois. Ah non, c'est 9, pardon, c'est 9, effectivement. T'as raison, c'est 9. Enfin, j'avais raison au début. 1, 2, 3, 4. J'ai le père qui va réclamer sa boue du soir, là. C'est ça, effectivement. Eh, donc c'est grand, une fontaine, effectivement. Ouais, c'est assez grand. Ah, il y a un problème de stabilité, là. Ils ont plus de poterie. Bah. Oh la vache! Qu'est-ce qu'il. Il y a des poteries. Il y a littéralement des poteries là. Ah oui, mais attends, c'est des gens qui ont la flemme. Et le marché en a en plus. Il y a des stocks. Mais tu pourrais pas, en fait, bouger tes termes à côté des deux bibliothèques pour y mettre un pont qui donnerait un accès plus rapproché aux poteries? Oui. Je l'avais pas vu, ça j'étais certain que c'était... Attends. Mais je pense que c'est possible. Termes, tu peux mettre un pont... En fait, tu déplaces les termes là entre l'université et la bibliothèque. D'accord, super. Et puis tu mets un pont avec un chemin. Faut que je décale tout. Oh non. Faut que je décale tout, c'est infâme. Deux bibliothèques, une école et des termes. Aïe aïe aïe. À moins que tu recules le mur. Non. Ah oui, c'est que ouais, d'accord. Bah. Ah non, c'est bon. Ouais, ça passe. Ah bah oui, ça passe. C'est bizarre. Non, mais, et maintenant il réévolue, je comprends pas. Ouais, mais je crois que ça va pas me convenir. Parce que le pont, je peux le placer que là, ça va faire une route un peu bizarre. Alors attends, je vois pas trop ce que ça donne. Le temps que tu le fasses. Ouais, t'es sûr que ça va pas te convenir? Parce que tu voulais faire quoi là, cet endroit là aussi? Bah, idéalement, je dois bien mettre un corps de garde. Pour que la boucle reste une boucle parfaite. En effet. Et en fait, que je décarrosse. Vraiment, les loups, quoi, les loups. Vraiment, je vais. Tant pis, je vais les emmurer pour plus tard. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, non, là, il faut une pause. Là. J'ai fait un stream de 4h30. Ouah, t'as pas l'habitude de faire aussi longtemps. Non, mais c'est une bonne surprise. Bah, c'est bien, c'est une bonne expérience pour la prochaine fois. Ouais, okay. Ouais, bah du coup, je vais peut-être pouvoir refaire en off ce que tu m'as montré. Je vais essayer de m'y remettre. Enfin voilà, bref. Donc merci pour tes conseils. Moi aussi, je vais de ce pas nourrir mon chat aussi avec sa pâtée du soir. Et trop de problèmes de place, quoi. C'est. Ouais. Ouais, non, mais. Et tu peux pas nourrir grand monde, n'empêche, avec les quelques fermes que t'as au début. C'est ça le truc. Mm-mm. Donc finalement, faut trouver. En fait... Limite, je pense qu'avec un. Si je pouvais faire une zone de résidence. Là. Une zone résidentielle entre les deux qui existent déjà, avec des maisons aussi classes. Je pense que niveau prospérité, ça peut le faire. Ouais. Parce que c'est...
Avoir des grandes maisons très évoluées, ça a l'avantage quand même de rassembler beaucoup de monde. Mm-hmm. Donc limite, on peut casser les bouts de la cité qui nous conviennent pas. C'est ça. Eh, du chômage. Ok. Dégagé. Sinon, j'ai déjà sauvegardé, donc c'est pas grave. On peut faire... ça. Allez. Salut. Oh non. Oh mais non, mais non, mais non, quoi. Tout le monde dégage. Population, 5000, c'est un mensonge. Destruction totale. Ah, c'est totale. Beau quand c'est propre. On redonne. On redonne ces terres à leurs propriétaires. Plus sans panique totale. Population zéro. Et la musique a changé du coup. Trop marrant. Ah ouais. Du genre... Enfin, parce que... Ah oui, non, mais moi j'ai pas le son. Bah, c'est la musique de début de mission. La musique un peu calme. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc zéro comme ça d'un coup. Et du coup. Ah ouais, donc. Tu peux avec 40 000. Ah non, mais c'est du génie en vrai, parce que tu peux tout raser. Et puis au final. Le mec il s'est suicidé dans l'eau quoi. Et du coup, tu peux refaire ta cité avec 40 000 dinari pour tout refaire propre quoi. Bon, du coup, c'était long, je sais pas. On n'a pas tellement abouti à des résultats très concluants, on a juste compris que c'était compliqué de s'en sortir sur cette carte-là. Mais jouer en difficile, c'était pas une bonne idée sur cette carte-là, ouais. J'essaierai en normal, et je resserrai peut-être en difficile après. Genre, je pense que parfois c'est un peu compliqué de réorganiser une cité, parce que t'en as 20 bâtiments, faut le remettre ailleurs pour pas tout déséquilibrer. Sinon t'as des gens qui partent, il y a plus d'employés, enfin bref, c'est compliqué. Ouais, mais... Donc j'étudierai la question, mais en tout cas il y a des trucs à essayer effectivement. Mais ouais non mais vraiment la nourriture c'est le gros problème. Acheminer la nourriture jusqu'à nourrir les citoyens puis la place quoi. Il y a peu de place. C'est horrible. Oui. Je pense qu'on peut faire des boucles plus grandes peut-être. Mm. Peut-être faire des zigzags tiens ça, augmenter la longueur de route. Justement que les gens vont parcourir. Donc faire des zigzags, ça peut être une bonne idée. Pour se faire un plan papier, bah des fois, franchement, j'hésite. Hein. Allez. Bon. C'est compliqué. Ouais. Je vais à la fois raccrocher et quitter le stream. Donc YouTube, si t'as regardé ça, bravo. Parce que il y a vraiment des fois où ça allait nulle part. Mais ouais. Mm. Ok. Il n'y a pas assez de nourriture. Non, bon courage aux viewers YouTube, franchement bravo, vous avez droit à une médaille. Alors après c'est pas, il y aura quoi, 5 personnes qui regarderont ce truc infâme. Je sais même pas si je mettrai la rediff de ce truc là par contre. Bah c'est toi qui vois en vrai, mais tu dis ça alors que pourtant t'as plus de followers que moi sur Twitch, au passage. Oui mais je viens de YouTube, c'est de la triche. Mais bon, c'est vrai que... Bon, j'ai quand même dit, c'est vrai que j'ai quand même dit des trucs pertinents quoi. Ah oui, non, mais c'est justement, franchement, déjà rien que le fait de voir ta structure, ça permet aussi de se rendre compte de certaines choses. Ah, c'est horrible, c'est quand je commence à bafouiller à fond, là, c'est horrible, le cerveau, il suit plus. Ouais. Bon, allez, bisous YouTube. Bisous. On se retrouvera peut-être sur Kaiser 3, un de ces quatre, mais Pharaon d'abord. On va finir Pharaon, et on n'est pas prêt d'avoir fini, c'est ça qui est bien. Donc, bye YouTube.